Après avoir étudié l'impact de la guerre de 7 ans sur la théorie militaire, nous allons voir maintenant l'impact de la guerre de 7 ans sur la réforme de l'armée française, puisque entre la guerre de 7 ans et la Révolution française, la thématique de la réforme est une thématique constante. Alors, une thématique constante qui anime toute la période politique qui va jusqu'en 1789 et qui culmine à deux moments de réformes particulièrement intenses. C'est d'une part la période qui commence d'ailleurs pendant la guerre, c'est-à-dire à la fin de la guerre, au début des années 1760, sous l'emprise du ministère Choiseul. Le duc de Choiseul, c'est lui qui domine. Alors, il n'a pas une véritable fonction de premier ministre, mais c'est lui qui quand même domine le gouvernement sous Louis XV, dans cette partie du règne de Louis XV, et au moment donc du ministère Choiseul, eh bien, il y a des réformes assez profondes, notamment sur les modalités de recrutement des soldats, qui commencent pendant la guerre, dès 1762. Et après la phase du ministère Choiseul, il y a une deuxième phase intense de réformes, qui est d'ailleurs suggérée par l'iconographie que vous avez sous les yeux, puisque vous avez donc là les trois portraits que vous voyez. C'est à gauche le comte de Saint-Germain. Le comte de Saint-Germain, il est secrétaire d'État de la guerre pendant une phase très intense de réforme qui est le tout début du règne de Louis XVI. Entre 1774 et 1776, les réformes du comte de Saint-Germain, elles connaissent un apogée en 1775-1776, mais les réformes qui concernent la sphère militaire ne sont pas les seules réformes. Il y a aussi tout un ensemble de domaines politiques, de domaines de l'État qui sont réformés, et tels que le suggèrent les portraits, les autres portraits que vous avez là. Au milieu, vous avez le portrait de Turgot. Turgot qui propose un certain nombre de réformes, notamment des réformes fiscales, alors qui vont profondément déstabiliser la société et surtout le système politique français, et qui vont d'ailleurs déboucher sur le renvoi de Turgot et d'ailleurs des autres ministres qui ont mené une politique de réforme. Et parmi d'ailleurs ces autres ministres qui ont mené une politique de réforme intense, vous avez donc à droite Malesherbes, et Malesherbes qui est le secrétaire d'État de la Maison du Roi. Alors Malesherbes, il est souvent connu comme étant, c'est lui qui a défendu Louis XVI au cours de son procès sous la Révolution française en 1793. Mais Malesherbes, avant, eh bien, c'était un ministre réformateur. Et donc, dans sa fonction de secrétaire d'État de la Maison du Roi, il a un petit peu piloté l'ensemble des réformes, puisque la fonction du secrétaire d'État de la Maison du Roi, c'est de faire le lien entre les différentes institutions centrales, les parlements, mais aussi donc les différents ministères et la personne du roi. Donc voilà, vous avez un trio de grands réformateurs qui mènent une politique intense de réforme entre 1774 et 1776. Et dans ce moment intense de réforme, c'est vrai que la dimension militaire est très forte. Parce que, donc, comme je l'ai dit, réformer l'armée, ça devient une véritable priorité politique qui a de profonds impacts sociaux, et c'est ce qui m'amènera donc à
conclure sur la thématique de ce que j'appelle les origines militaires de la Révolution française. Les historiens ont beaucoup travaillé sur les origines de la Révolution française. Il y a eu des travaux sur les origines intellectuelles, sur les origines culturelles et sur les origines religieuses de la Révolution française, mais assez peu d'historiens se sont penchés sur les origines militaires. Or, les origines militaires, on va le voir, de la Révolution française sont particulièrement importantes parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le processus de la Révolution française, prenons un seul exemple, la prise de la Bastille, eh bien la prise de la Bastille, ça n'est pas seulement l'action du peuple parisien, c'est l'action du régiment des gardes françaises. Ce sont les gardes françaises qui prennent la Bastille et ils ont mené avant d'ailleurs cet événement et après, un certain nombre d'actions de soutien à l'insurrection populaire, donc en 1789, et se sont même et ont même combattu un certain nombre de régiments qui avaient été notamment le Royal Allemand, le régiment de cavalerie du Royal Allemand, qui avait été envoyé par le roi pour essayer de réprimer le mouvement insurrectionnel, et les soldats des gardes françaises, eux, s'engagent pour défendre le mouvement insurrectionnel. Donc, mais au-delà du cas des gardes françaises, il y a quand même une dimension beaucoup plus profonde qui affecte profondément la société. Nous allons le voir, en fait, l'institution militaire, elle déstabilisait la société française pour un certain nombre de raisons qui faisaient que les principes de fonctionnement de la société militaire étaient incompatibles avec les principes de fonctionnement de la société, en particulier le principe des privilèges. La société militaire n'était pas censée reposer sur le principe du privilège, la société militaire, elle était censée reposer sur des principes tels que le principe de la, tels que la méritocratie. Or, ce principe-là est contradictoire avec la notion de privilège. Et nous allons voir, c'est aussi dans la sphère militaire qu'un certain nombre de thématiques, telles que la thématique de la nation et la thématique du soldat citoyen, donc, se sont développées et ont contribué, on va le voir, à la Révolution française. Alors, nous allons étudier donc trois dimensions de cette question de la réforme de l'armée française. D'abord en voyant la problématique du soldat, la problématique de l'officier, et donc, et plus généralement, la problématique de la réforme de l'État, parce que réformer l'armée impose une nécessité de réformer l'État. Alors, en ce qui concerne le soldat, nous allons voir trois dimensions, le statut social et civil du soldat, la question de la discipline et la question du recrutement. Alors, le statut social et civique. Le soldat, dans la société française du XVIIIe siècle, il possède un statut très ambivalent, très ambigu, parce que, donc, bon, le soldat, il s'insère donc dans une société militaire qui est donc censée être gouvernée par des principes qui sont le principe de la discipline, le principe du courage, le principe d'acquisition de la gloire, de la vertu militaire, le principe de la reconnaissance du mérite, de la vertu, etc. Mais tout ça entre en contradiction avec le statut social du soldat. Comme vous le voyez donc sur cette gravure, vous voyez l'ambiguïté, très bien, donc avec cette légende. Donc, d'abord la première phrase, mon nom de guerre est la tulipe. Alors, ça fait référence au fait que quand un soldat est engagé, eh bien, il perd son nom de famille et il prend un nom de guerre. Alors, ça, c'est un élément quand même qui est symboliquement très important. Ça veut dire que d'une certaine façon, le soldat, quand il entre dans la sphère militaire, il perd son identité et surtout son identité personnelle. Et surtout, il perd la possibilité d'illustrer par sa gloire le nom de sa famille. Or, cette logique d'illustration du nom de famille, c'est quand même une logique importante dans la société française d'Ancien Régime. Donc, le soldat, en quelque sorte, quand il entre dans la sphère militaire, il est dépersonnalisé. Et il est dépersonnalisé selon une modalité qui, vous le voyez, est très ambivalente.
Donc, le nom de guerre, la tulipe. Alors, vous connaissez tous ce personnage qui est Fanfan la tulipe. Alors, Fanfan la tulipe, c'est un personnage qui va être construit au début du 19e siècle. Mais la tulipe, effectivement, c'est le nom de soldat le plus couramment répandu. En deuxième position, vous avez la fleur, etc. Et j'ai fait une statistique. Alors, focalisé sur la fin du XVIIe siècle, eh bien, à partir des archives des registres d'admission aux Invalides, j'ai fait un sondage sur 1000 soldats, donc à la fin du XVIIIe siècle, 80% portent un nom féminin. La tulipe, la fleur, la jeunesse, la liberté, etc. Et cette façon de désigner des soldats par un nom féminin, elle est très ironique. C'est une certaine forme d'affirmation paradoxale de la masculinité. Alors, et d'ailleurs, beaucoup de soldats portent un nom qui est antinomique avec leur statut. Vous avez un certain nombre de soldats qui s'appellent par exemple la liberté. Bon, la liberté, quand on est soldat au XVIIIe siècle, c'est tout à fait contradictoire avec, les principes militaires. Et par exemple, aussi, pour montrer l'ironie de ces noms, j'ai remarqué que beaucoup de soldats, quand ils arrivent aux Invalides pour aller prendre leur retraite, ils disent qu'ils s'appellent la jeunesse. Bon, vous voyez qu'il y a une dimension de paradoxe. Donc, je crois que ça souligne très bien l'ambivalence, l'ambiguïté du statut des soldats. Alors, et voyez, toute cette gravure et toute la légende, elle s'appuie sur, justement, l'ironie, voire sur l'antinomie. Voyez, quand il dit « je suis comme on voit beau garçon », il suffit de regarder la gravure pour voir, bien sûr, que là, on est dans un registre totalement ironique. Quand d'une main je tiens ma pipe et que j'ai de l'autre un flacon, donc là ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que le soldat? C'est quelqu'un qui fume et qui boit. Si j'ai le gousset bien rempli des maux que nous cause la guerre avec mes amis et plein verre, je suis sûr de boire l'oubli. Alors ça c'est une dimension très importante, qui est très emblématique. C'est que qu'est-ce que c'est qu'un soldat? Donc cette gravure, elle date... Bon, elle n'est pas précisément datée, on est dans la période après la guerre de 7 ans, c'est les années 1770 probablement. Et donc, qu'est-ce que c'est que le soldat? Eh bien, le soldat, comme on le voit là, ça n'est pas un héros, c'est une victime. C'est une victime de la guerre, et donc, comme il le dit, j'ai le gousset bien rempli des maux que nous cause la guerre. Et donc, plus globalement, dans la société militaire et dans la société française, le statut du soldat est très largement péjoratif. Pour plusieurs raisons. La première, ça tient d'abord au régime de promotion. C'est que un soldat, eh bien, ne peut pas progresser au-delà du grade de sergent, sauf très rares exceptions, nous y reviendrons. Bon, un officier qui arrive à atteindre les grades d'officier. Alors, les premiers, c'est cornette ou donc dans la cavalerie ou enseigne dans l'infanterie ou sous-lieutenant. Bref, quelqu'un qui atteint un grade d'officier et qui est passé préalablement par des grades de bas. Alors, à l'époque, hein, au XVIIIe siècle, on ne dit pas sous-officier, on dit bas-officier. Donc, qui avant de devenir officier était bas-officier, c'est tout à fait exceptionnel, on les appelle les officiers de fortune. Et ça, c'est très rare, c'est très exceptionnel. Il y a une proportion des officiers dans les années 1760-70 qui ont commencé leur carrière comme simples soldats et qui sont passés par des grades de bas-officier, il y en a à peu près 5%, entre 5 et 10%. Dans l'infanterie, c'est une très faible proportion. Donc, un soldat, c'est par définition, a priori,
qu'il ne pourra jamais atteindre le grade d'officier et que sergent, c'est la limite du grade qu'il peut atteindre. Alors, en 1776, va y avoir une extension des grades de bas officiers, et puis il va y avoir une diversification, mais un soldat ne peut pas, et notamment avec la création du grade d'adjudant en 1776, mais bon, un soldat sait qu'il ne peut pas devenir officier, sauf très rare exception. Alors, et par ailleurs, on va le voir, pour d'autres raisons, le statut du soldat est très fortement considéré comme étant péjoratif. Le soldat est mal reconnu dans la société militaire, il a peu de perspectives de promotion, et on va le voir, le régime disciplinaire est aussi un régime assez humiliant pour le soldat. Par ailleurs, cette disqualification du soldat, eh bien, elle vaut aussi dans la société. L'image du soldat dans la société, c'est l'image, là je reprends une expression qui a été employée par Voltaire, les soldats, c'est la lie de la nation. On considère qu'un soldat, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans l'armée parce qu'il n'avait pas d'autre perspective, parce que c'était une sorte de vagabond. On considérait, alors, souvent on les désignait comme ça, ou on désignait aussi souvent les soldats comme étant des gens qui étaient d'origine, de milieu, où les individus étaient des individus sans feu, sans lieu, sans aveu. C'est-à-dire, bon, c'est la définition un petit peu juridique du vagabond. Sans feu, ça veut dire qu'il n'a pas de domicile. Sans lieu, ça veut dire qu'il n'appartient à aucune communauté. Aucune communauté, ni un village, ni une ville, etc. Sans aveu, ça veut dire qu'il n'appartient à aucun groupe, professionnel en particulier. Donc on considère le soldat, finalement, comme quelqu'un qui s'engage dans l'armée parce qu'il n'a rien d'autre, il ne peut espérer rien d'autre, parce qu'il ne peut pas avoir d'ambition, parce qu'il n'a pas les moyens de se développer une carrière professionnelle. Alors, c'est un lieu commun qui, comme nous allons le voir tout à l'heure, est faux. Pratiquement, c'est pas vrai. Hein, les soldats ne sont pas tous des vagabonds, mais c'est l'image que l'on donne du soldat, et c'est ce qui explique, eh bien, ce tableau qui a été réalisé par Jean-Baptiste Greuze dans les années 1770, qui s'intitule « Le fils ingrat ». Alors, ce que représente ce tableau, c'est une scène. Donc, vous voyez un jeune homme qui va s'engager dans l'armée. Vous voyez à droite du tableau, vous avez celui qui vient de le recruter et qui est dans une position sournoise. Et donc, ce jeune homme qui vient de s'engager vient dire au revoir à sa famille et son père le maudit et sa mère, ses frères et sœurs essayent de le retenir. Parce que, justement, on considère que l'engagement dans l'armée, c'est une déchéance sociale. Et d'ailleurs, vous avez un autre tableau, toujours réalisé par Jean-Baptiste Greuze, qui s'intitule « Le fils puni ». Là, le soldat revient, vous voyez par terre, il y a une canne, il a été blessé, donc déjà, il a été puni dans ce sens, et puis il rentre et il découvre son père qui vient de mourir. Et donc, ça montre bien que un jeune homme qui s'engage dans l'armée, eh bien, il renonce à sa famille et il renonce à son statut social. Et le statut social qu'il va acquérir en étant soldat est un statut défavorable. Un soldat, quotidiennement, déjà, il a une forme de socialisation qui est tout à fait particulière. D'abord, les soldats, ils sont encasernés et il leur est pratiquement impossible de se marier, parce que quand un soldat est enfermé dans une caserne, il ne peut pas faire venir dans la caserne son épouse et ses enfants. Et donc, pratiquement, les soldats sont souvent célibataires. Et en 1788, il y a même un règlement qui est adopté et qui
oblige un soldat à demander l'autorisation de son capitaine pour se marier. Et donc, le soldat se caractérise par une intégration défaillante dans la société. Son image dans la société française est vraiment péjorative. On le considère comme un être asocial, comme un vagabond, et si on en revient à la gravure, comme un être vraiment déchéant. Eh bien, ce statut du soldat, il s'explique également par le régime disciplinaire et qui vient aussi renforcer ce statut du soldat. Le régime disciplinaire, alors, d'abord, vous avez la dimension tactique. Comme on l'a vu lorsqu'on a étudié les pratiques pendant la guerre de 7 ans, le système de guerre, l'ordre linéaire, etc., est très contraignant par les soldats, et c'est ce que montre d'ailleurs très bien ce tableau, donc qui représente la très fameuse scène « Messieurs les Anglais, tirez les premiers », vous voyez le comte d'Antéroche qui est en train de s'adresser aux Anglais, et là, vous voyez donc les gardes françaises qui s'apprêtent à recevoir le feu ennemi. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que vous voyez la posture d'un officier qui utilise son esponton. L'esponton, c'est une sorte de hallebarde pour maintenir les soldats. Et en fait, qu'est-ce que la gloire d'un soldat? Qu'est-ce que son mérite? Eh bien, c'est tout simplement la capacité à affronter le feu ennemi sans s'enfuir. C'est tout ce qu'il peut réaliser comme type d'action glorieuse. C'est impossible dans ce type de guerre de réaliser des faits d'armes, d'avoir une action vertueuse, de réaliser une prouesse. Non, la seule chose qu'on demande aux soldats, c'est en fait la forme la plus représentative du courage des soldats, c'est rester debout pendant qu'il est en train de recharger son fusil, alors que pendant qu'il est en train de recharger son fusil, eh bien, les ennemis lui tirent dessus. Et donc, ce régime disciplinaire fait qu'on demande aux soldats, finalement, non pas d'exprimer sa vertu, son courage, mais on lui demande avant tout de se soumettre à une discipline qui fait de lui, et ça c'est une expression qui est régulièrement employée à cette époque, qui fait de lui un automate. Et donc le soldat, d'une certaine façon, n'a pas d'individualité. Il n'a pas d'individualité, il n'a pas de mérite personnel, on lui demande de se soumettre à une discipline collective extrêmement rigoureuse. Maintenant la discipline, ça n'est pas seulement la discipline tactique, c'est aussi donc la discipline de la condition militaire, de la vie quotidienne, qui s'incarne par un châtiment particulièrement emblématique, qui est donc le châtiment des baguettes. Que vous voyez là, ça c'est une gravure de la fin du XVIIe siècle, mais alors, donc, qui consiste à être frappé par les baguettes. Alors les baguettes, c'est ce qui sert donc à bourrer. Quand on charge le fusil, il faut bourrer la munition. Et donc, un soldat est frappé par ses camarades. Alors, en fonction, le nombre de camarades qui frappent, eh bien, dépend de la gravité de la faute. Vous pouvez avoir l'ensemble des soldats d'une compagnie, et donc c'est-à-dire une cinquantaine d'hommes, hein, qui peuvent frapper un soldat, sinon ça peut être une section, etc. Bon, ça dépend de la gravité. Alors, ce châtiment, il a été décrit par Voltaire, alors bien sûr dans Candide, alors là, qui le montre de façon qui est une application exponentielle du châtiment, puisque c'est un régiment de 2000 hommes qui va soumettre Candide au châtiment des baguettes. Alors, bon, ça c'est totalement fictif, mais c'est un... Bon, Candide, hein, on sait que c'est un ouvrage très... qui repose
beaucoup sur l'ironie, sur la parodie. Et donc, ce que fait Voltaire, c'est parodier la culture militaire et la discipline militaire. Maintenant, ce qu'il exprime, c'est bien un sentiment particulièrement diffusé dans la société française, c'est le fait que le soldat, il est soumis à une discipline très rigoureuse. Maintenant, il y a un autre élément fondamental, c'est que au-delà de la violence de la discipline, il y a la dimension symbolique. Et en 1776, il y a un nouveau châtiment qui est imposé, c'est le coup de plat de sabre, qui est un châtiment qui a été inspiré de l'armée prussienne. Alors, le coup de plat de sabre, donc qui est délivré par l'officier, eh bien, ça fait pas plus mal que un coup de baguette. C'est pas plus violent physiquement. En revanche, c'est beaucoup plus violent symboliquement, parce que le sabre, c'est vraiment l'incarnation de la vertu, de l'identité militaire. Bon, le sabre, c'est une forme, c'est l'épée, de même que d'ailleurs l'épée symbolise aussi l'identité nobiliaire. Eh bien, frapper un individu avec le plat de sabre, c'est renverser toute la symbolique de l'épée et de l'arme blanche, et donc c'est soumettre le soldat, eh bien, à cette inversion de la symbolique. C'est vraiment le contraire de la gloire, de la vertu. Donc le coup de plat de sabre est vraiment vécu comme un châtiment humiliant. Et il y a d'autres châtiments corporels qui sont perçus comme tels. Mais pour terminer sur cette question de la discipline, il y a une autre dimension qui est très importante, c'est le fait que cette discipline, elle est soumise à l'arbitraire de l'officier. Alors, il y a des règlements qui définissent les délits, les crimes qui peuvent être commis par un soldat. Si un soldat commet un crime contre un civil, eh bien, il est jugé par la justice civile. En revanche, s'il commet un délit strictement militaire, bon, par exemple, ça c'est un délit qui est souvent évoqué, le soldat qui est chargé d'un... de garde, si, un soldat qui s'endort pendant qu'il est en train de garder un espace ou n'importe quoi, eh bien, ça, c'est un délit fréquent. Par ailleurs, il y a aussi l'absence... au moment où on fait l'appel. Et puis il y a des délits de vol aussi, de vol de camarades. Hein. Donc les délits qui sont commis à l'intérieur de la sphère militaire sont jugés à l'intérieur de la sphère militaire. Alors il y a un certain nombre de textes qui normalisent ces délits. En revanche, la procédure judiciaire, elle est totalement arbitraire. Par exemple, un soldat qui a commis un délit, il ne peut pas faire appel à un avocat. Et donc, il est soumis au jugement arbitraire de son capitaine. Alors, quand je dis arbitraire, ça ne veut pas dire forcément plus sévère. On reproche d'ailleurs souvent au capitaine d'être très complaisant à l'égard des délits commis par leurs soldats, parce que comme c'est le capitaine qui a la charge du recrutement, on va y revenir, hein, ça va changer un peu dans les années 60-70, mais comme c'est le capitaine qui a la charge du recrutement, il ne veut pas faire trop pression sur ses soldats, parce que sinon, ces soldats peuvent être tentés de déserter. Donc, le capitaine a parfois, tendance à être un peu laxiste. Alors, en revanche, d'autres peuvent être, au contraire, trop sévères. Mais ce qui choque les contemporains, ça n'est ni la sévérité, ni le laxisme, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire que le soldat est soumis au jugement de son officier, et ça veut donc dire que le soldat n'est pas un être de droit. Et donc, voilà
ce qui aussi définit le statut du soldat dans la société française. Le soldat, c'est un individu qui n'a pas les mêmes droits qu'un sujet du roi et qui est soumis à un régime judiciaire qui relève de l'arbitraire et non pas de la loi. Et donc, voilà ce qui contribue aussi à disqualifier le soldat dans la société française. Alors, il y a une autre dimension qui se cristallise dans cette époque, dans la question de la discipline, c'est la désertion. Alors, la désertion, c'est pas uniquement le fait de quitter son régiment et d'essayer de rentrer chez soi, c'est pas ce qu'on imagine. La désertion, ça correspond aussi à ce qu'on appelle le billardage. Qu'est-ce que c'est que le billardage? Eh bien, c'est un soldat qui quitte sa compagnie, qui s'éloigne de l'armée, et puis qui y revient et qui cherche à se faire recruter par un autre capitaine pour toucher une nouvelle fois la prime d'engagement. Donc, vous avez une mobilité totalement incontrôlée des soldats, mais quand le soldat quitte sa compagnie, même si c'est ensuite pour se réengager, bien, c'est quand même considéré comme de la désertion. Eh bien, l'historien André Corvisier, qui a travaillé donc, sur les soldats, donc dans sa merveilleuse thèse hein, qui a fondé vraiment l'histoire sociale de l'armée d'Ancien Régime, donc une thèse qui a été publiée en 1964, eh bien André Corvisier estime à environ 30% le taux de désertion. Alors, plutôt que désertion, disons 30% le taux de mobilité incontrôlée des soldats. Et donc c'est considérable. Et alors, malgré tout, quand je dis qu'il y a une forme de mobilité incontrôlée, il y a aussi, bien sûr, la désertion pure et simple. Hein. Et il ne faut pas oublier un phénomène qui est très important, c'est que quand un déserteur déserte, finalement, il ne rentre pas chez lui. Il ne rentre pas chez lui parce qu'il sait qu'il peut être poursuivi par la maréchaussée. Et donc, souvent, ce qui se passe quand un déserteur déserte, c'est qu'il s'engage dans l'armée ennemie. Ça, c'est un phénomène courant. Dans toutes les armées d'Europe, on cherche souvent à aller engager les déserteurs de l'armée ennemie. Donc, il y a beaucoup d'étrangers, hein, de soldats étrangers, dans toutes les armées d'Europe, et un certain nombre de ces soldats sont des déserteurs. Alors, c'est un phénomène majeur, parce que quand la désertion devient massive, imaginez dans une campagne une armée qui perd 10-20% de son effectif pour cause de désertion, eh bien ça peut entraver bien sûr les capacités opérationnelles de l'armée. Donc c'est un facteur décisif. Et le problème de la désertion est un problème qui se pose, et notamment qui se pose de façon artistique. Là vous voyez alors ce qu'on appelle une feuille d'écran. Une feuille d'écran, c'est une sorte d'éventail. Alors c'est pas tellement pour s'aérer, c'est pour se protéger de la chaleur qui émane d'une cheminée. Mais les feuilles d'écran, on les décore et ça finit même par devenir un objet artistique. Et là, ce que vous voyez, c'est une feuille d'écran qui représente une scène tirée d'un opéra comique qui a été réalisé par Sedaine, qui est un auteur très, très réputé, très célèbre de théâtre, qui s'intitule donc, cet opéra comique qui s'intitule Le Déserteur, et qui décrit vraiment un phénomène très emblématique. Alors, ce que je vous raconte très, très, très vite, hein, ce qui se passe dans cet opéra comique, c'est un soldat alors, qui a été intégré à l'armée au titre de la milice, mais on va y revenir, et qui, à un moment, alors qu'il est en permission, il est en congé, hein, eh bien, pendant cette phase de congé, eh bien, il rentre chez lui et il retrouve sa fiancée. Et là, des gens, pour lui faire une farce,
lui font croire que sa fiancée est en train de se marier avec quelqu'un d'autre. Et là, pour pouvoir retrouver sa fiancée et essayer de s'opposer au mariage, etc., eh bien là, il perd le contact avec l'autorité militaire et alors qu'il était en congé, il finit par être considéré comme déserteur. Et là, il est emprisonné, etc., etc. Bref, ça décrit les raisons, les mobiles d'un déserteur. Et en gros, le but de Sedaine, c'est de dire qu'un déserteur n'est pas forcément un délinquant. C'est quelqu'un qui déserte pour des raisons qui peuvent être des raisons individuelles, etc. Et la critique de Sedaine consiste à dire que l'institution militaire ne prend pas suffisamment en compte ces raisons personnelles et surtout le régime judiciaire. Là, un déserteur peut être condamné à mort, il peut être condamné aux galères, il peut être même, il peut subir des châtiments corporels, etc. Et on est à un moment où aussi il y a des réflexions, des développements sur les châtiments judiciaires et le régime judiciaire des soldats, et en particulier le régime judiciaire des déserteurs, est très abondamment critiqué dans la société française. Eh bien, or, cette question, malgré tout, la question de la désertion, elle est considérée comme une question donc majeure, et de nombreux théoriciens de la société, de la chose militaire, de nombreux penseurs, et de nombreux aussi officiers qui écrivent des mémoires et qui proposent des projets de réforme, disent que si un soldat déserte, c'est parce qu'il est maltraité. Il est maltraité, notamment dans le fait que son engagement, quand un soldat s'engage, il signe un contrat. Il y a une dimension contractuelle de l'engagement, mais à partir du moment où il a signé son contrat, il est soumis à l'arbitraire de son officier, et puis il est aussi soumis à un régime qui fait que, en fait, le soldat, pour être libéré, eh bien, doit avoir l'autorisation de son capitaine. Donc, pour mettre fin à son engagement, doit avoir l'autorisation de son capitaine. Et comme le capitaine a beaucoup de problèmes pour recruter, eh bien, il libère rarement ses soldats. Et donc, par ailleurs, le renforcement de la rugosité, de la discipline, le renforcement aussi, il y a un aspect, il y a des aspects très concrets. Par exemple, à partir des années, au milieu du XVIIIe siècle, des années 40, des années 50, eh bien, il y a une focalisation aussi de la discipline sur l'uniforme. On demande aux soldats d'avoir un uniforme impeccable, etc. Et dès que il manque un bouton, qu'il y a une déchirure, etc., sur son uniforme, eh bien, il peut subir des châtiments. Et il y a eu un travail, une thèse qui a été réalisée justement sur l'interrogatoire réalisé par la maréchaussée des soldats qui ont été capturés par la maréchaussée, qui étaient donc des déserteurs, qui ont été interrogés par la maréchaussée et qui expliquaient donc au cours de cet interrogatoire les motivations de leur désertion. Et beaucoup décrivent les conditions concrètes de la vie quotidienne qu'ils trouvent humiliante. Et donc, la désertion, elle est considérée par beaucoup de commentateurs de l'époque comme l'expression du statut disqualifié du soldat dans la sphère militaire et dans la sphère sociale. Et pour répondre à cette problématique, beaucoup d'auteurs disent, eh bien, il faut valoriser le soldat, il faut reconnaître son mérite, il faut lui permettre d'acquérir de la gloire, il faut lui permettre de devenir officier s'il a le mérite nécessaire. Et beaucoup disent, ce qui fait défaut, c'est en fait
la motivation des soldats, et donc on voit se développer la référence au patriotisme. Beaucoup d'auteurs disent finalement le soldat n'est pas suffisamment animé par un sentiment, par une ardeur patriotique, parce qu'il est humilié et parce qu'il est mal inséré dans la société. Donc le soldat n'a pas envie de défendre la nation parce qu'il est mal représenté dans cette nation. Et donc beaucoup d'auteurs disent qu'il faut développer le sentiment patriotique, et en particulier, il y a vraiment une thématique qui se développe considérablement, c'est la thématique de l'honneur. On dit qu'il faut que le soldat se sente investi d'un sentiment d'honneur qui l'amènera à respecter son engagement et à ne pas déserter. Et là, vous voyez cette remarque formulée par Joseph Servan. Alors Joseph Servan, il a écrit en 1780 un ouvrage qui s'intitule « Le soldat citoyen » et Joseph Servan explique que l'invocation du sentiment de l'honneur, ça n'a pas de sens. Voilà ce qu'il dit. Quoi de plus absurde? Vouloir que le même homme soit un héros devant l'ennemi et un esclave devant vous. Montesquieu dit que l'honneur est le principe de monarchie. Grand. Savez-vous pourquoi il n'y a plus ni monarchie ni patrie? C'est que vous avez détruit l'honneur. Il n'y a point d'effort que vous n'ayez fait pour l'extirper de l'armée. Donc, Joseph Servan explique que l'armée ne reconnaît pas l'honneur du soldat. Et donc, dire qu'il faut valoriser l'honneur du soldat pour faire en sorte qu'il ne déserte plus, eh bien, Joseph Servan dit, ça n'a pas de sens. Comment voulez-vous parler de l'honneur du soldat si vous interdisez à ce soldat de devenir officier? Si vous ne reconnaissez pas ses mérites, si vous le soumettez à un régime disciplinaire humiliant, à des châtiments corporels, à des châtiments humiliants. Bref, Joseph Servan explique que tout le système fait que eh bien, le système militaire est une sorte de négation du sentiment de l'honneur des soldats. Alors, dernière dimension de cette réflexion sur le statut du soldat, il y a la question du recrutement. Alors, la question du recrutement, le recrutement, il est fondé sur le volontariat, mais on va le voir, pas que. Alors, là, vous avez une affiche de recrutement. Alors, avis à la belle jeunesse, l'affiche de la recrutement essaye d'exalter la condition militaire, mais ça vient en totale contradiction avec la réalité sociale. C'est ce qui oblige d'ailleurs un certain nombre de recruteurs d'utiliser des procédés illégaux, de tromper les soldats, de leur promettre de faire des promesses qui ne seront pas réalisées, de les saouler et de profiter donc de leur ébriété pour leur faire signer un contrat d'engagement, etc. Bref, le processus de recrutement de soldats est souvent critiqué. Et l'image, on l'a vu tout à l'heure, hein, l'image sociale du soldat, c'est une image péjorative. Eh bien, cela dit, elle est assez contraire à la réalité. Donc là, selon la thèse d'André Corvisier, le recrutement social, alors, il vient principalement, vous voyez, les soldats, ils viennent des milieux populaires. Mais ce ne sont pas des vagabonds. Beaucoup de soldats, alors, par exemple, il y a une forte proportion, à peu près 50%, qui viennent des milieux artisanaux. Donc, alors, un soldat qui peut être très jeune n'est pas forcément encore véritablement un ouvrier, mais il peut l'être. Ça peut être un apprenti, mais vous avez quand même un certain nombre de soldats qui sont vraiment des ouvriers, qui ont un vrai statut social. Alors, d'autres, à peu près 47% viennent du milieu rural. Alors, c'est une proportion qui explique aussi
en partie la disqualification du soldat. Parce que dans la société française, à cette époque, on considère que la société urbaine est une société décadente. Et donc, on valorise la société rurale. Or, la société rurale, c'est à cette époque 85% de la société française. Eh bien, la société rurale, elle est sous-représentée dans le monde militaire, puisque seuls 47% des soldats viennent d'un milieu rural. Et donc, ça contribue aussi à la disqualification de la société, du statut du soldat. Alors, malgré tout, donc, les soldats, ce ne sont pas des vagabonds, mais la réalité sociale, la pratique concrète, elle est contraire aux représentations qui font que le soldat est décrit comme un vagabond. Alors, toutefois, donc, le recrutement fondé sur le volontariat, il est très aléatoire. Il est très aléatoire parce que, eh bien, quand il y a une situation de crise économique, il y a beaucoup de volontaires. Parce que, eh bien, les soldats peuvent, enfin, des jeunes gens peuvent considérer que l'engagement dans l'armée, ça peut être une façon d'échapper à la disette, d'échapper à la crise économique. À l'inverse, quand tout va bien, eh bien, c'est plus difficile de trouver des soldats. Donc, c'est la raison pour laquelle, en 1688, sous le règne de Louis XIV, avait été instauré le régime de la milice, la milice royale. La milice royale, c'est un service militaire obligatoire. Alors, qui ne s'applique pas à l'ensemble de la population, qui s'applique donc aux jeunes gens qui sont célibataires. Alors, l'âge de recrutement de la milice varie, mais en gros, c'est entre 20 et 40 ans. Et donc, un jeune célibataire, qui n'est pas privilégié, c'est-à-dire qui n'appartient pas à la noblesse, qui n'est pas habitant d'une ville qui a reçu le privilège d'échapper à la milice, etc. Bon, quand même, il faut la partie de la population masculine, célibataire, affectée par ce service, cette obligation militaire, c'est à peu près 90%. Hein. Donc, bon, c'est pas la conscription, encore, mais enfin, ça y ressemble. Alors, tous les soldats qui sont assujettis à la milice, ce qu'on appelle donc les miliciables, eh bien, ne sont pas tous mobilisés, il y a une cérémonie de tirage au sort. En gros, le taux de recrutement, la proportion, c'est en temps. Alors, à partir de 1726, la milice, elle est institutionnalisée, y compris en temps de paix. Et donc, en temps de paix, on lève à peu près 10 000 miliciens tous les 18 mois. En temps de guerre, on passe à 30 000 tous les ans. Donc, c'est quand même. Numériquement, on peut considérer que c'est finalement un impact pas très important sur la population. Vous voyez, lever 10 000 jeunes gens tous les 18 mois, ce n'est pas un impact considérable. Maintenant, il faut se mettre à la place des jeunes individus qui sont soumis régulièrement donc, au tirage au sort. Eh bien, même si l'individu il n'a qu'une chance sur 100 pour être mobilisé, eh bien, ça lui met quand même une pression. Et c'est ce que représente d'ailleurs cette gravure qui a été réalisée sous le règne de Louis XIV, ce qui représente une scène de tirage au sort de la milice, qui montre, donc, là, donc, vous voyez, il y a des soldats qui sont en train de tirer dans le chapeau d'un représentant donc, de l'intendant, qui est chargé donc, de l'organisation du tirage au sort, mais au premier plan, en bas à droite, vous voyez un jeune homme qui est assis par terre. Eh bien, c'est un jeune homme qui vient d'être désigné par le tirage au sort et qui s'est effondré et qui est entouré par sa famille qui essaye donc de le consoler. Et ça montre bien le statut du tirage au sort de la milice. C'est vraiment vécu comme un traumatisme. Alors, dans les cahiers de doléances qui ont été réalisés en 1789, eh bien, une des principales revendications qu'on retrouve régulièrement, c'est la suppression de la milice. Et là, vous avez un exemple, le cahier de doléances donc, du bailliage du Cotentin, que les milices
au moins en temps de paix, soit supprimée. Ça, c'est une revendication. Il est désolant pour les campagnes que le danger du sort force les jeunes gens bien constitués à les fuir pour prendre le parti d'être laquais ou domestique chez des ecclésiastiques nobles ou privilégiés. Alors, quand un jeune homme, effectivement, devient domestique d'un noble ou d'un privilégié, eh bien, il est considéré comme faisant partie de la famille, de celui dont il est le domestique. Hein, domestique, pour comprendre ce que ça veut dire, il faut se référer, bien sûr, à l'étymologie. Il fait partie, donc, désormais, de l'espace familial, et donc, il peut échapper au tirage au sort. Et ce qu'explique cette revendication du cahier de doléances, c'est que, bon, il va être recruté à médiocre prix, mais du coup, ça va priver les cultivateurs qui, eux, veulent recruter des domestiques, mais ça va leur priver de ce vivier, et donc ça va faire en sorte que les domestiques qui seront moins nombreux, moins disponibles pour les cultivateurs, vont être payés plus cher. Donc, bref, ce que dit le cahier de doléances, c'est que le système de la milice déstabilise la société. Alors, de façon plus générale, alors la milice devient quand même un facteur important de recrutement. À la fin de l'Ancien Régime, en gros, la milice, ça représente dans l'infanterie à peu près la moitié des effectifs. Donc, ça c'est quand même un élément très important. On associe souvent le service militaire obligatoire à la Révolution française. Eh bien non, c'est sous la monarchie que le système du service militaire obligatoire s'est instauré et s'est institué. Et ça, c'est un élément important. Au début de la Révolution française, on associe l'obligation militaire à la monarchie. C'est la raison pour laquelle la Révolution française ne va pas imposer la conscription tout de suite. Il faudra attendre quand même la loi Jourdan d'Elbrel de 1798 pour mettre en place la conscription. Parce qu'il y a cette forte réticence à l'égard de la milice, considérée donc comme une incarnation de l'Ancien Régime. Alors, vous le voyez, il y a donc une problématique de la difficile insertion de la condition du soldat dans la société, une problématique du statut du soldat, y compris dans la sphère militaire, où il y a un manque de reconnaissance de ses mérites, où il y a un système disciplinaire qui est quand même... et puis aussi un système tactique hein, qui contribue peu à l'expression de la vertu militaire. Bon. Et donc, vous voyez qu'il y a une forte ambivalence, une forte ambiguïté qui fait que le statut militaire, lorsqu'il s'applique aux soldats, eh bien, est très peu valorisé. Alors, en revanche, pour l'officier, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a aussi beaucoup d'ambivalence. Alors, le statut de l'officier dans l'armée française, à cette époque, pose problème. Parce que, alors, je reviens parce que j'ai un petit peu oublié d'évoquer cette question. Il y a eu des tentatives de réforme sur les modalités de recrutement, des recrutements des soldats, qui, jusqu'au début des années 60, étaient sous l'emprise du capitaine. Alors, du capitaine qui recrutait lui-même, mais aussi qui pouvait déléguer des lieutenants, voire des bases officiers pour procéder au recrutement. Mais le statut du capitaine était un statut, on va le voir, hein, un statut entrepreneurial. C'est le capitaine qui perçoit ses appointements et qui, sur la base de ses appointements, doit gérer sa compagnie. C'est ce que l'historien américain John Lynn appelle « the semi-entrepreneurial system », donc le système semi-entrepreneurial. Donc, c'est le capitaine qui gère sa compagnie et, en particulier, qui gère le recrutement. Par exemple, très concrètement, lorsque le capitaine doit recruter des soldats, il perçoit une allocation de la part de l'État. Il perçoit
20 livres tournois pour payer le recrutement, le contrat de recrutement. Mais le recrutement d'un soldat, c'est un marché, comme je le disais tout à l'heure. En situation de crise, il y a beaucoup de volontaires. En situation de stabilité, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, du coup, comme c'est un marché, eh bien, la prime de recrutement peut varier considérablement en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Eh bien, par exemple, un contrat de recrutement, ça peut se négocier à 40 livres, voire plus. Eh bien, dans ce cas-là, qui paye la différence entre l'allocation versée par l'État et la somme qui doit être versée au soldat? C'est le capitaine qui prend ça sur ses propres fonds. Hein. Bon. Donc, en fait, ce qui se passe dans les années 60, c'est ce qu'on appelle les réformes sous le ministère Choiseul et qui vont évoluer dans les années 70, c'est qu'il y a une étatisation du système de recrutement, c'est que on retire au capitaine la responsabilité du recrutement et le recrutement est géré par l'état-major du régiment et donc qui gère à l'échelle du régiment. Alors, il y avait même eu auparavant, dans les années 60, une tentative pour faire gérer le recrutement par les intendants, c'est-à-dire par des officiers civils, hein, par des administrateurs civils, mais bon, cette tentative a échoué, et donc ensuite, donc, le recrutement passe entre les mains donc, de l'état-major du régiment, qui le gère de façon plus rationnel, et puis le système du recrutement est de plus en plus encadré, et par exemple, on accorde une importance de plus en plus particulière aux documents administratifs, et notamment la signature du contrat d'engagement par le soldat, on oblige les soldats à signer le contrat d'engagement et à faire preuve, donc, de leur consentement. Hein. Bon, donc il y a un encadrement effectivement de plus en plus réglementé de l'engagement des soldats qui déresponsabilise l'officier de cette charge. Alors, on va le voir. C'est un élément qui est important effectivement dans l'évolution aussi du statut de l'officier. Alors, la question du statut de l'officier se pose à partir de plusieurs problématiques, et on va commencer par la première, qui est la noblesse militaire. Alors, il y a une réalité sociale. La réalité sociale, c'est qu'il y a une très forte proportion donc, d'officiers qui sont nobles. Alors, tout à l'heure, je faisais référence à la proportion des officiers de fortune. Par définition, pratiquement, un officier de fortune, souvent, c'est un roturier. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'un jeune noble, quand il s'engage dans l'armée, il ne s'y engage pas au grade de soldat, au statut de soldat. Il s'y engage en devenant directement officier. Alors, soit en étant recruté personnellement par le colonel d'un régiment, soit en passant par un système de formation, en passant par l'école militaire qui est créée en 1751, etc. Mais bref, quoi qu'il en soit, il faut savoir effectivement que... Alors, l'école militaire qui demande des preuves de noblesse hein, pour ceux qui prétendent à y être admis. Donc, l'immense majorité, plus de 90% hein, des officiers, sont nobles. Les officiers roturiers sont très rares. Alors, donc, ce que vous voyez là, c'est un édit du roi qui crée la noblesse militaire. Alors, il faut faire très attention. Il ne faut pas confondre noblesse d'épée et noblesse militaire. Noblesse d'épée, c'est un statut social, alors pas très clairement défini. En gros, la noblesse d'épée, ça se confond souvent avec ce qu'on appelle l'ancienne noblesse. Donc, c'est une... Alors, la noblesse d'épée, ce ne sont pas forcément
des nobles qui sont engagés professionnellement dans l'armée. Ce sont des nobles qui viennent d'un lignage, d'une famille qui s'est anciennement distinguée par l'exercice d'une fonction militaire. Alors, pas forcément de façon professionnelle. Hein. Bon, donc, la noblesse d'épée, c'est une ancienne noblesse qui s'est assimilée à cette définition de la noblesse, hein, quand on définit les trois états de la société française. Donc, l'état du clergé, c'est ceux qui prient, le tiers état, c'est ceux qui travaillent, et le deuxième état, c'est ceux qui combattent, c'est-à-dire la noblesse. Et donc, l'identité de la noblesse d'épée, elle est fortement liée à l'identité même de la noblesse. Alors, ça n'est pas la même chose que la noblesse militaire. Qu'est-ce que c'est que la noblesse militaire? Eh bien, ce sont des professionnels engagés dans une carrière militaire. Et donc, ça, c'est une définition professionnelle de la noblesse. Et donc là, c'est presque noblesse militaire, j'aurais presque tendance à dire que c'est un oxymore, c'est-à-dire l'adjonction de deux termes antinomiques. Noblesse et profession militaire, ça ne va pas ensemble. On est noble, parce qu'on appartient à une famille noble. Il y a une dimension d'hérédité. En revanche, militaire, ça veut dire appartenir à la société militaire, exercer une profession militaire. Et donc, la conjonction, faire converger le principe de la noblesse, l'identité de la noblesse et la dimension professionnelle, eh bien, c'est une vraie révolution sociale. Et c'est ce qu'essaye de faire le roi donc, dans cet édit, où il explique. Alors, vous voyez ce qu'il dit, « Les grands exemples de zèle et de courage que la noblesse de notre royaume a donné pendant le cours de la dernière guerre ont été si dignement suivis par ceux qui n'avaient pas les mêmes avantages du côté de la naissance. » En gros, ça veut dire ce que le roi essaye d'instituer, c'est que ceux qui ont fait preuve de valeur militaire, de courage, etc., etc., peuvent être anoblis. Et donc, l'édit sur la noblesse militaire, par exemple, institue un système qui fait que un officier qui aurait 25 ans d'ancienneté dans son statut d'officier pourrait accéder à la noblesse parce que est une noblesse qui deviendra héréditaire, ça veut donc dire que ses enfants seront considérés comme nobles. Donc, en gros, c'est une nouvelle définition de la noblesse. C'est la noblesse acquise par le mérite. Alors, c'est une vraie révolution sociale. Enfin, pardon, c'est une vraie révolution symbolique. Parce que ça peut avoir un impact très fort sur la société, puisque ça change la notion même de noblesse. Mais concrètement, cet édit sur la noblesse militaire, jusqu'à la Révolution française, il y a à peu près 150 individus qui en ont bénéficié. C'est totalement insignifiant. Pourquoi ? Parce que pour bénéficier de cet édit, il fallait avoir été officier pendant 25 ans d'ancienneté. Or, quand on est roturier, déjà devenir officier, c'est quasiment impossible, et ensuite devenir officier suffisamment jeune pour pouvoir accumuler 25 ans d'ancienneté dans son statut d'officier, alors là, ça devient totalement exceptionnel. Donc vous voyez, 150 individus qui ont à peu près bénéficié entre 1750 et 1789 de cet édit. Donc c'est un édit qui a eu un impact social nul. En revanche, il a eu un impact symbolique. Alors, il y a notamment en 1756 une grande controverse entre l'abbé Coyer, qui publie l'ouvrage que vous voyez à gauche, La noblesse commerçante, et le chevalier d'Arc, qui publie La noblesse militaire. Le chevalier d'Arc, c'est un personnage qui est quand même assez atypique.
c'est le fils du comte de Toulouse. Et le comte de Toulouse, c'est un des enfants illégitimes de Louis XIV, que Louis XIV avait eu avec Madame de Montespan. Donc c'est un bâtard royal. Et donc, alors, le chevalier d'Arc... Alors, pardon, je commence par l'abbé Coyer qui publie La noblesse commerçante, où il dit justement, la noblesse, ça doit être la sanction d'une utilité sociale. Et donc, les commerçants qui sont utiles pour la société, il faut pouvoir les anoblir. Et là, le chevalier d'Arc répond, non, l'idéal de la noblesse, il est fortement déterminé par la dimension militaire. Qu'est-ce que c'est qu'un noble ? C'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour servir le bien public. Et donc, le chevalier d'Arc fait appel à la définition traditionnelle de la noblesse. Mais, il dit, mais il y a beaucoup de nobles qui ne correspondent plus du tout à cet idéal. Il y a des nobles qui ne servent pas l'État, qui sont des seigneurs locaux, qui restent chez eux et qui ne participent pas au bien public. Eh bien, le chevalier d'Arc dit que ces nobles pourraient être déchus de leur noblesse. Et à l'inverse, il reprend l'argument de l'édit sur la noblesse militaire, mais en étendant, parce qu'il a conscience de son inefficacité sociale, où il dit que, eh bien, un soldat, un roturier qui fait preuve de valeur, alors d'une valeur qui peut être encadrée légalement, eh bien, doit pouvoir être anobli. Bref, donc là, c'est ce débat, ça pose vraiment la question de l'identité de la noblesse. Il y a vraiment une professionnalisation de la noblesse militaire et cette professionnalisation, en fait, elle entre en permanence en conflit avec les représentations. Et notamment, une des questions qui se pose, c'est le fait que beaucoup d'individus accusent l'armée de s'embourgeoiser. Alors, et de s'ouvrir. Alors, quand je dis embourgeoiser, c'est pas seulement. Ce n'est pas recruter des officiers roturiers, mais c'est recruter des officiers qui viennent d'une famille, d'une noblesse récente, des anoblis récents, une ou deux générations. Et donc, il y a cette idée que la profession militaire, elle doit, la dimension professionnelle, doit pouvoir s'articuler avec le principe de la noblesse qui repose sur l'ancienneté, qui repose bien sûr aussi sur un certain nombre de privilèges, etc. Et donc, une des thématiques, une des problématiques de réforme qui revient le plus souvent, c'est par exemple l'idée de limiter l'accès au grade d'officier à la noblesse. Alors, on l'a vu, l'école militaire, lorsqu'elle est créée en 1751, eh bien, elle exige pour ceux qui prétendent donc des preuves de noblesse, mais des preuves de noblesse qui sont vraiment très très aléatoires. Et donc c'est assez facile de trouver des preuves, voire des fausses, pour entrer à l'école militaire. C'est pas très très exclusif. Alors bon, quand même, il faut faire partie de cette catégorie sociale de la noblesse récente où ce qu'on appelle les bourgeois vivant noblement. Qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois vivant noblement ? Bon, ben c'est un roturier, mais qui possède, par exemple, une seigneurie, parce que tous les seigneurs ne sont pas nobles. Il y a des seigneurs qui sont bourgeois. Et donc, des gens qui vivent comme des nobles et qui s'agrègent, qui finissent au bout de plusieurs générations par être agrégés à la noblesse. Et donc, on accuse beaucoup cette catégorie sociale-là eh bien, de s'investir dans l'armée. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un jeune homme issu d'une famille comme ça, de bourgeois vivant noblement, s'engage dans l'armée ? Eh bien, parce que, justement, en s'engageant militairement, il donne une sorte de légitimité à sa famille dans sa revendication du statut de noblesse. Donc, il y a un engagement, effectivement, dans ce milieu-là, dans la carrière militaire, mais qui alimente
la suspicion que beaucoup d'officiers considérés comme nobles sont en fait des bourgeois vivant noblement ou des nobles issus donc d'une famille très récemment anoblie. Et donc vous avez ce sentiment d'une décadence de la profession d'officier et d'une décadence de la noblesse. Ce qui va amener en 1781 à l'adoption d'un édit donc, qui est réalisé par le secrétaire d'État de la guerre, Ségur, et donc c'est l'édit de Ségur. L'édit de Ségur impose à pour tout candidat à une charge d'officier de pouvoir prouver, de faire état, non pas de 4 quartiers de noblesse, mais de 4 degrés de noblesse. 4 degrés de noblesse, ça veut donc dire que les 4 générations précédentes étaient nobles. 4 quartiers, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que les 4 grands-parents sont nobles. Ça, c'est assez facile. En revanche, 4 degrés de noblesse, ça veut dire qu'on est noble, qu'on appartient à une famille qui est noble depuis plus de 4 générations. Et donc, en gros, l'édit de Ségur vise à limiter l'accès au grade d'officier à l'ancienne noblesse. Alors, il y a, ça c'est une idée, c'est un principe qui est ancien, qui a souvent été esquissé, et qui n'avait jamais été vraiment tenté. Et donc là, c'est une façon, finalement, de faire totalement converger l'idéal nobiliaire avec les principes qui structurent cet idéal, notamment le principe de l'hérédité, et la profession militaire. Mais, en fait, on va le voir, l'édit de Ségur, eh bien, il va entrer largement en contradiction avec de nombreuses pratiques sociales. Parmi les pratiques sociales qui sont considérées comme entravant l'idéal nobiliaire, il y a le principe de la vénalité. Alors, la vénalité. Les charges militaires sont vénales, mais elles ne sont pas vénales comme les charges civiles. Les charges civiles, quand un individu achète une charge civile, il en devient propriétaire et il peut la transmettre à ses héritiers. Donc une charge d'office civil, elle est patrimoniale. Ça n'est pas du tout le même cas pour les militaires. Un militaire, quand il achète une charge, eh bien, s'il meurt dans l'exercice de sa charge, eh bien, l'État redevient propriétaire de la charge et peut la revendre. Alors, en fait, le roi, quand il redevient propriétaire de la charge, il la distribue gratuitement, comme récompense pour assurer la promotion d'un officier. Bon, alors, le système de la vénalité, est très lié. Qu'est-ce qu'il explique ? Eh bien là, le marquis de Castres le dit très bien. Alors, ce qui justifie la vénalité, c'est que, comme il le dit, première explication, la justice qui se rencontrait à dédommager les premiers propriétaires des dépenses qu'ils avaient faites pour lever leurs troupes. Donc, comme je vous le disais, le capitaine, mais aussi le colonel qui commande le régiment, c'est un entrepreneur. Et donc, lorsque le roi fait lever un régiment, eh bien, chaque capitaine reçoit la charge de la levée de sa compagnie, etc. Et donc, ça représente un coût très important. Et donc, permettre à ce capitaine qui a investi au moment de la levée de sa compagnie de pouvoir trouver une sorte d'indemnisation en vendant sa compagnie, eh bien, c'est une première explication de la vénalité. La deuxième, alors, cette explication ne vaut plus beaucoup puisque on est quand même désormais, à cette époque, à un moment où les régiments sont permanents et donc il y a peu de nouvelles levées. Alors, souvent ce qui se passe, c'est que quand on entre en guerre, eh bien, on ne crée pas de nouveaux régiments, mais on crée de nouvelles compagnies. Donc oui, ça peut arriver, effectivement, il y a des levées de compagnies, mais il y a assez peu de levées de nouveaux régiments. Et puis, surtout, donc, c'est un système quand même qui
se distingue beaucoup de ce qui se passait au XVIIe siècle, où lorsque le roi entrait en guerre, alors là, il créait une foule de régiments qu'il réformait à la fin de la guerre. Hein, il renvoyait les officiers chez eux, etc. Là, non, au XVIIIe, les régiments et la plupart des compagnies sont permanents. Mais ce qui joue beaucoup, c'est le deuxième motif évoqué par le marquis de Castres, la nécessité de laisser des fonds en nantissement entre les mains du roi pour lui répondre des sommes que sa majesté confiait à ses capitaines. Bon, alors, je résume. Je vous l'ai dit, c'est le capitaine qui gère sa compagnie. Et, alors, le marquis de Castres, là, il s'intéresse en particulier à la vénalité dans les compagnies de cavalerie. Et c'est vrai qu'un capitaine de cavalerie, alors là, c'est vraiment un entrepreneur. Par exemple, il a une charge qui est très importante, c'est gérer la remonte. Qu'est-ce que c'est que la remonte? C'est acheter, racheter des chevaux quand il y a des chevaux qui sont tués, etc. etc. Donc, c'est renouveler donc, le stock de chevaux dans sa compagnie. Et bien ça, ça relève de sa charge, c'est lui qui gère ça financièrement. Mais il faut pouvoir, pour acheter des chevaux, notamment en campagne. Imaginez un capitaine qui part en campagne, il ne part pas avec un coffre-fort, il ne part pas avec des sommes considérables d'argent. Donc, quand le capitaine qui est en campagne doit procéder à la remonte, doit racheter des chevaux, il est quasiment obligé de les acheter à crédit. Or, les marchands qui ne connaissent pas ce capitaine, qu'est-ce qui va garantir le crédit qu'ils vont consentir au capitaine? Puisqu'ils ne le connaissent pas, qu'est-ce qui pourra les rendre certains, les rassurer sur le fait que le capitaine pourra les rembourser? Il y a un facteur qui est fondamental dans la dette qui est accumulée par les capitaines, c'est que justement un capitaine qui s'adresse à un marchand peut lui dire dans le pire des cas, si je ne peux plus vous rembourser, je vendrai ma charge vous pourrez prélever la somme que je vous dois sur le bénéfice de la vente de cette charge. Et donc, qu'est-ce que c'est en fait que la vénalité? C'est une sorte de fonds de garantie qui permet de garantir le crédit des officiers. Alors, pourquoi le marquis de Castres dit ça en 1774? C'est parce que il y a un projet de suppression de la vénalité. Pourquoi? Parce que depuis les origines de la vénalité a mauvaise réputation. Parce que la vénalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi vend sa souveraineté. Et en particulier, là, ce n'est pas n'importe quelle souveraineté, c'est la souveraineté qui consiste à faire la guerre. Et donc, vendre cette forme de souveraineté est vraiment vécu comme une forme d'aliénation. Même si, comme je l'ai dit, le militaire n'est pas vraiment propriétaire de sa charge. Enfin, quand même, il y a un investissement personnel. Et puis, surtout, on accuse la vénalité d'inciter les officiers à gérer leur carrière comme une entreprise. Je prends un exemple. Donc, la vénalité, elle est liée, je l'ai démontré, au système entrepreneurial. Donc, reprenons le cas de notre capitaine de cavalerie qui se trouve en campagne et qui se trouve dans une situation de bataille. Et dans une situation de bataille où il va devoir prendre la décision de lancer une action offensive, etc. Bref, de charger ou pas. Alors, en général, ce n'est pas le capitaine qui décide, mais il peut y avoir des actions, notamment dans le cadre de la petite guerre, pas tellement dans une bataille, où là, le capitaine peut avoir un pouvoir de décision. Et donc, est-ce que le capitaine qui a des problèmes financiers, qui va devoir prendre en charge la remonte, est-ce qu'il ne serait pas tenté de renoncer à lancer une charge de peur
de perdre des chevaux, parce que ça risque de lui coûter très cher s'il perd ses chevaux. Eh bien, ce reproche-là, il est fait régulièrement à la vénalité. Souvent, donc, les détracteurs de la vénalité disent que la vénalité, elle est contraire avec les principes même de la vertu militaire, parce qu'elle incite les officiers à avoir des modalités d'action économiques, de prendre en charge. Ça peut valoir aussi pour, voyez, un capitaine qui doit prendre en charge le recrutement de ses soldats peut aussi renoncer à les engager dans une phase qui pourrait faire qu'il perdrait des hommes, et donc ensuite il sera obligé d'en recruter de nouveau et donc d'y perdre de l'argent. Donc on accuse la vénalité d'introduire dans les pratiques et dans l'idéal militaire, une dimension d'économie qui est bien sûr contraire avec ses principes et ses idéaux. Donc il y a quand même une volonté de lutter contre la vénalité, et en 1775, le comte de Saint-Germain, qui est le secrétaire d'État de la guerre, eh bien, trouve un système pour supprimer la vénalité. Alors, il y avait un problème, c'est que tout le monde était contre, en gros, la vénalité, mais il y avait un facteur qui empêchait de la supprimer, c'est que si le roi prenait la décision de supprimer la vénalité, il se plaçait dans l'obligation d'indemniser les officiers. Et donc, ça aurait coûté trop cher à la monarchie, le roi ne pouvait pas racheter la totalité des charges militaires, ça lui aurait coûté des millions de livres tournois. Et donc, là, ça a été pendant très très longtemps ce qui a principalement empêché les différents rois qui ont tous critiqué la vénalité. Hein, Louis XIV, Louis XV, etc. Et Louis XVI, ils ont critiqué la vénalité, mais ils n'ont jamais réussi à la supprimer. Sauf en 1775, donc là, sous le règne de Louis XVI, au début du règne de Louis XVI, donc le comte de Saint-Germain arrive à trouver un moyen pour supprimer la vénalité. Et il fait adopter une mesure qui fait que toute charge militaire, alors ce n'est pas une suppression pure et simple, hein, toute charge militaire qui est vendue, eh bien, sera vendue à 25% de moins que son prix d'achat. Ça veut donc dire que la valeur de la charge diminue de 25% à chaque mutation. Et donc ça veut dire que au bout du compte, au bout de 4 mutations, quand la charge aura perdu 4 fois 25%, eh bien, elle sera gratuite. Donc, c'est une évolution progressive vers l'abolition de la vénalité qui ne vaut que pour l'infanterie, parce que, justement, comme l'explique le marquis de Castres, dans la cavalerie, le système entrepreneurial est tellement important qu'on ne peut pas priver un capitaine de cavalerie du fonds de garantie représenté par la valeur vénale de sa charge. Alors que dans l'infanterie, c'est beaucoup plus possible parce que le capitaine a moins de charges financières. Par exemple, le capitaine n'a pas à prendre en charge l'armement de ses soldats, n'a pas à prendre en charge l'achat de leur uniforme quand ils sont recrutés. En revanche, il doit prendre en charge leur approvisionnement alimentaire, les réparations des uniformes, etc. Mais bon, tout ça, c'est plus facile à assumer que la remonte, par exemple, hein, pour la cavalerie. Donc, la vénalité est partiellement supprimée, mais, comme le dit Baudran de Port-Haber, là, dans un ouvrage qui est publié plusieurs années, donc c'est à la fin des années, c'est en 79, donc après la suppression de la vénalité, il dit « La vénalité des emplois militaires que l'on s'est efforcé d'arrêter n'empêche point qu'ils ne se glissent journellement dans les corps des sujets qui usurpent au moyen de leur argent les places d'officiers qui, dans un tel état que la France, ne devraient être données qu'à la noblesse. » En fait, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une vénalité clandestine qui, alors en fait, la vénalité clandestine, ça existait déjà sous Louis XIV, mais elle s'était officialisée sous Louis XV, et là, elle redevient clandestine. Alors, à quoi il fait référence? Eh bien, par exemple, vous avez imaginé un lieutenant qui rêve de devenir capitaine, mais il n'y a pas de place qui se libère.
Et donc, eh bien, le lieutenant peut inciter un capitaine à renoncer à sa charge et à la renoncer en sa faveur. C'est ce qu'on appelle la résignation ad favorem, c'est-à-dire quand un officier renonce à sa charge, il a le pouvoir de proposer un successeur. Alors, de proposer, ce n'est pas lui qui décide, mais en général, c'est validé hein, par l'autorité de l'étatique. Et donc, en fait, le lieutenant peut verser une somme d'argent au capitaine pour l'inciter à démissionner. Voilà. Et donc, ce type de procédé-là, et parfois même, vous avez des lieutenants qui se cotisent pour forcer des capitaines, pour inciter des capitaines à quitter leur charge, pour libérer une charge, et donc pour ouvrir des perspectives de promotion. Et donc voilà, Baudran de Port-Haber fait référence à ça. Il y a une dimension financière qui est très importante dans la condition militaire et qui continue à beaucoup entraver l'idéal. L'idéal, comme le dit, l'idéal de la noblesse, l'idéal de la vertu, cette dimension financière vient du fait que l'État ne prend pas totalement en charge le coût de la guerre. Alors, il n'y a pas d'études réalisées sur cette période, mais bon, j'avais fait une étude sur les officiers dans l'armée de Louis XIV et j'avais calculé que ce que les officiers investissaient personnellement dans l'exercice de leur charge, ça représentait 20% du budget militaire de l'État. Donc c'est quand même, c'est considérable, hein. C'est 20% du budget de la guerre était assumé par les fonds personnels des officiers. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans la période postérieure à la guerre de 7 ans, mais je vous dirais que intuitivement, ça ne doit pas être très éloigné des 20%, peut-être un peu moins, mais il y a quand même toujours ces pratiques financières. Alors, ces pratiques financières, elles sont aussi, donc elles s'articulent avec, donc on l'a vu, la problématique de la noblesse. En gros, ces pratiques financières, elles alimentent l'idée que l'armée s'embourgeoise. L'officier, c'est quelqu'un qui gère sa carrière, qui gère ses finances, etc. Et donc, vous avez cette idée d'un embourgeoisement de la culture militaire. Et pour échapper à cet embourgeoisement, beaucoup, comme Baudran de Port-Haber, invoquent l'idéal de la noblesse. Parce que qu'est-ce que c'est que l'idéal de la noblesse? Qu'est-ce que c'est qu'un noble? C'est quelqu'un qui n'est pas dépendant d'un régime financier ni d'un régime professionnel. Ce qui caractérise la noblesse, c'est un mot qu'on emploie à cette époque, c'est la franchise. Qu'est-ce que c'est qu'un homme franc? C'est quelqu'un qui n'est dépendant de rien, qui n'est dépendant de personne et qui n'est dépendant d'aucune ressource financière. Et donc, un noble, il est franc parce qu'il n'est soumis à aucune forme de dépendance. C'est ce qui explique, par exemple, la logique qu'on appelle la logique de la dérogation. Qu'est-ce que c'est que la dérogation? La dérogation, c'est quand un noble exerce un métier, exerce une profession pour gagner sa vie, eh bien, il peut être déchu de sa noblesse. C'est ça la dérogation, parce que le noble doit être indépendant. Et donc, pour éviter la dépendance des officiers à l'égard des contraintes financières, on invoque l'idéal de la noblesse. Mais la réalité concrète, eh bien, la réalité concrète, c'est qu'un officier, c'est un entrepreneur. Et donc, il y a cette dimension financière qui vient un petit peu entraver l'idéal de la noblesse. Alors, certains arrivent à surmonter cette contradiction en disant, eh bien, par définition, quelqu'un qui est issu d'une famille noble ancienne, d'une grande noblesse, eh bien, c'est aussi quelqu'un qui a des ressources, des ressources patrimoniales, foncières, etc.
Un noble, c'est pas, il vit pas de façon totalement désincarnée. Un noble, il est aussi seigneur. Et donc, il a une seigneurie et il a des ressources, hein, financières. Et puis, les familles de la haute noblesse, de la haute et ancienne noblesse, sont aussi des familles extrêmement riches, etc. Et donc, favoriser l'accès de la noblesse ancienne aux charges d'officier, c'est pour beaucoup non seulement rester fidèle à l'idéal de la noblesse, parce que l'idéal de la noblesse, c'est faire la guerre, mais aussi c'est s'appuyer sur une catégorie sociale qui a des ressources financières, mais qui n'est pas jugée dépendante, soumise à ces ressources. Pourquoi? Parce que le seigneur, il est seigneur. Il n'est pas dépendant, enfin, il n'est pas symboliquement dépendant des ressources qui lui sont fournies par les paysans qui lui payent des impôts seigneuriaux, par ceux qui gèrent sa propriété foncière et son activité agricole. On considère qu'il est seigneur, donc il est souverain et il n'est pas dépendant. Donc, l'idéal de la noblesse, eh bien, est souvent présenté comme la façon de se sortir de toutes les tensions qui animent le monde des officiers. Mais c'est un idéal qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. La société nobiliaire est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, surtout, dans la sphère militaire, il n'y a pas de coïncidence totale entre la hiérarchie sociale et la hiérarchie militaire. Et donc ça, c'est ce qui pose le problème de la gestion du régime de promotion. En fait, donc, le régime de promotion, il est géré, il est régi par un certain nombre de principes. Il y a plusieurs principes qui régule la promotion des officiers. Alors vous avez un principe fondamental qui est le principe de l'ancienneté. N'importe qui ne peut pas devenir, ne peut pas acquérir n'importe quel grade sans aucune ancienneté qui lui confère une légitimité pour prétendre à un grade. Mais l'application de la règle de l'ancienneté, elle est variable socialement. Bon. Il y a notamment un grade qui échappe à peu près à la logique de l'ancienneté, c'est le grade de colonel. Pourquoi? Parce que le colonel, c'est celui qui gère le régiment, et là, on peut devenir colonel tout en étant, même en étant très jeune. Alors, sous le ministère de Choiseul, il y a des règlements qui sont adoptés pour supprimer les colonels virtuels, c'est-à-dire que beaucoup de colonels étaient très jeunes et donc n'avaient aucune compétence, aucune autorité, etc. Et c'était en fait le lieutenant-colonel qui exerçait la vraie charge de commandement. Mais, et donc, sous le ministère de Choiseul, il y a des mesures qui sont adoptées pour supprimer en gros, ces colonels virtuels. Mais ça ne change pas fondamentalement les choses, c'est que concrètement, eh bien, comme le dit le comte de Saint-Germain, l'attribution d'un certain nombre de charges, notamment donc les charges d'officier supérieur, et en particulier la charge de colonel, eh bien, elle se limite à une certaine catégorie de la noblesse, c'est-à-dire la noblesse la plus prestigieuse, la plus ancienne, mais aussi la plus fortunée. Et donc, on n'accorde pas un régiment à un noble issu d'une petite famille de noblesse récente et pas très riche, etc. Bon, parce que pour obtenir un régiment, il faut avoir aussi des protections à la cour, il faut avoir, bon, bénéficier d'un système de faveur, de favoritisme, hein, etc., de clientélisme. Bon, bref, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les charges les plus élevées, bon,
colonel, et bien sûr, a fortiori, les charges d'officier général, donc maréchal de camp, lieutenant général, eh bien, elles ne sont attribuées qu'à des individus issus de la haute noblesse, donc ceux que le comte de Saint-Germain appelle la grande noblesse. Alors, il y a parfois quelques petites exceptions, hein, bien sûr, comme toujours dans la monarchie. Hein, il y a des règles, et puis il y a beaucoup d'exceptions. Donc, en revanche, donc pour les grades subalternes, les grades subalternes, là, au contraire, il y a beaucoup plus de brassage social. C'est que, bon, un noble, un duc et pair, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une famille de haute noblesse, bon, en général, il ne commence pas sa carrière directement au grade de colonel, surtout après les mesures adoptées par Choiseul, et donc, un duc et pair, il peut aussi commencer sa carrière comme cornette, enseigne, mais au bout de 2 ans, il va devenir capitaine, et au bout de 3 ans, il va devenir colonel. Donc, effectivement, il y a une rapidité de la promotion qui est beaucoup plus importante pour la haute noblesse, alors que un officier de petite noblesse, eh bien, il va rester cornette ou enseigne pendant 5 ans, il va rester lieutenant pendant 10 ans, 15 ans, et il va rester capitaine pendant 20 ans, etc. Enfin bon, et là, c'est pas pareil. Et donc, ça veut dire, concrètement, on a vu tout à l'heure que un soldat, il peut rêver, tout ce qu'il peut espérer, c'est devenir un jour sergent, voire adjudant, après la création donc, de ce grade. Eh bien, un officier issu de petite noblesse ou de noblesse récente, tout ce qu'il peut viser, c'est lieutenant-colonel. C'est le sommet de la carrière d'un officier issu d'une famille de petite noblesse. Et donc, c'est le constat que fait, vous voyez, hein, dans cette citation, le comte de Saint-Germain. Et en 1787, le Conseil de la guerre, on a parlé du Conseil de la guerre dans le cours sur la pensée militaire, adopte une mesure qui a pour, justement, vocation de tenir compte de cette réalité sociale, mais en essayant de l'encadrer. Et donc, le Conseil de la guerre propose une ordonnance qui va être adoptée par le roi, donc qui crée, en fait, 2 régimes de promotion. Un régime de promotion réservé à la haute noblesse et un régime de promotion réservé à la petite noblesse. En gros, pour résumer, le premier régime de promotion, eh bien, permet à un officier qui est issu de la haute noblesse de commencer sa carrière à des grades élevés et de terminer au grade de lieutenant général, voire pourquoi pas de maréchal de France. Alors que les officiers de petite noblesse ont limite leur carrière au grade de lieutenant-colonel. Alors, cette mesure, elle est vécue comme une insulte de la part de la petite noblesse, alors qu'en réalité, elle sert en fait à protéger le domaine des charges d'officiers subalternes, faire en sorte que, justement, les officiers issus de la haute noblesse ne s'investissent pas dans les petites charges et laissent, finalement, ne s'accaparent pas ces petites charges dont ils ont besoin, dont ils avaient besoin, comme je le disais tout à l'heure, pour commencer leur carrière, eh bien, en fait, on les extrait. Par exemple, concrètement, hein, ça veut dire que quand vous avez dans un régiment une compagnie qui est libre, donc il y a une charge de capitaine qui est libérée, et que parmi les lieutenants, vous avez un jeune duc et pair, c'est sûr que c'est lui qui va récupérer la charge quand elle va être libérée. Et donc, ça va frustrer tous les autres lieutenants. Et donc, pour éviter ce genre de scénario, on crée donc une sorte de privilège des charges modestes pour la petite noblesse en
créant un privilège des hautes charges pour la haute noblesse. Donc, cette ordonnance, qui j'aurais tendance à dire qu'elle part plutôt d'une bonne intention, hein, protéger la petite noblesse de l'emprise de la grande, en fait, elle est très mal vécue. Elle est très mal vécue, elle est vécue comme, eh bien, la sanction qu'avait remarqué, comme elle est vécue comme la sanction du système décrit par le comte de Saint-Germain, hein, dans ses mémoires, finalement, eh bien, il dit, cet usage est doublement pernicieux. La première classe, c'est-à-dire la plus ancienne, la haute noblesse, n'a pas besoin de travailler pour réussir, elle l'obtient de droit. Alors, ce que décrit le comte de Saint-Germain, c'est le système pratique. Et en fait, ce système pratique, il va être réglementé, légiféré en 1787. Et donc, l'ordonnance de 1787, elle institutionnalise le système décrit par le comte de Saint-Germain, qui était un système de fait. Et il dit, la seconde classe, donc les officiers issus de la petite noblesse, ne travaille point parce que son travail lui serait inutile. Par là, toute l'émulation est anéantie. Or, sans émulation, l'homme n'est rien, il ne cherche qu'à végéter. Bref. Vous le voyez, pour conclure, eh bien, alors, les problématiques qui parcourent le monde des officiers, alors, ne sont pas aussi disqualifiantes, aussi déchéantes que pour les soldats. Quand même, il y a une possibilité d'acquérir de la gloire, de la réputation dans la carrière des armes, qui est quand même dotée d'une grande dignité. Mais, vous le voyez, il y a quand même des tensions qui incitent l'État à essayer de réformer ce système militaire. Mais pour réformer ce système militaire, nous allons le voir maintenant, eh bien, il faut aussi réformer un certain nombre de structures de l'État. Alors, le système militaire, ce n'est pas que la dimension sociale. Il y a déjà un élément important qui va être impacté par les réformes, c'est la production des armements. La production des armements, elle relève de l'activité manufacturière, c'est-à-dire ce sont des manufactures royales qui produisent les armements. Or, attention, une manufacture royale, ça n'est pas une entreprise publique. C'est une entreprise privée. Et dans laquelle, qui est gérée par des fonds, alimentée par des fonds privés, mais qui est soumise à des règlements royaux. C'est-à-dire que une manufacture royale produit des armes, mais pas que, il y a aussi les uniformes, hein. Donc, une manufacture royale fait des productions selon des modalités qui sont imposées par l'État et contrôlées par un corps d'officiers, alors des officiers civils, hein, qu'on appelle des inspecteurs des manufactures. Et donc, en gros, la manufacture produit sur des fonds privés des armements, des uniformes, etc., selon des modalités qui sont imposées par l'État. Mais ce système, eh bien, il est au début donc de la période qui nous intéresse. Donc là, vous voyez des références à l'année 1755 et 1756 dans ces lettres du marquis d'Argenson. Bien, ce système, il n'est pas très efficacement géré. Là, d'Argenson évoque le cas qui est le cas de Montalembert. Montalembert, c'est un ingénieur du génie qui crée près d'Angoulême une fonderie, qui est la fonderie des Ruelles, dans laquelle il investit donc ses fonds privés. Mais il demande pour produire donc des canons d'artillerie de marine. Il investit dans. On est en 1755, c'est-à-dire juste avant le début donc de la guerre de 7 ans. Et considérant qu'il investit de l'argent pour le bien public, pour soutenir l'armée, etc., eh bien, il considère qu'il doit en tirer une sorte de rétribution. Et l'État lui promet,
Eh bien, vous voyez, ce monsieur de Montalembert, ci-devant en page de monsieur le prince de Conti, donc ça veut dire qu'il a des protecteurs hein, très élevés, a prétendu avoir un secret pour faire des meilleurs canons pour la marine. Il a reçu 1 800 000 livres et il n'a encore fourni que 7 canons. C'est-à-dire que Montalembert reçoit la garantie de percevoir finalement une indemnisation versée par l'État pour compenser son investissement. Alors, pas la totalité, hein, c'est une sorte de récompense qui lui est versée. Et puis, par ailleurs, vous voyez, il reçoit de l'argent qui n'est pas tout simplement le prix des canons qu'il vend à l'État. C'est plus, donc, une récompense. Alors, ça devient une vraie affaire parce qu'on accuse finalement Montalembert hein, d'avoir soutiré de l'argent à l'État et finalement de ne pas seulement avoir finalement investi son propre argent pour le bien public, mais pour ses profits, son profit personnel. L'affaire du sieur de Montalembert devient chaque jour plus odieuse, dit le marquis d'Argenson. Non seulement il a escroqué au roi 2 millions, mais à divers particuliers, comme à la dame de Rofignac et au comte de Brassac, seigneur, etc. Bon, parce que comme il bénéficie, du statut donc de manufacture royale, eh bien, il bénéficie de droits. Parce que le statut de manufacture royale donne des droits aux manufacturiers, notamment, par exemple, pour profiter des ressources locales qui peuvent être les bois, qui peuvent être aussi l'eau. Par exemple, une manufacture peut s'installer sur une rivière, sur un fleuve. Bon, il y en a une, par exemple, qu'on va voir bien là, qui est la manufacture d'Indret sur la Loire. Alors, le statut des manufactures est très instable. Il est très instable et il est mal institutionnalisé. Et puis, la confusion entre finances publiques et finances privées elle est dénoncée, on l'a vu, par le marquis d'Argenson. Eh bien, le statut des manufactures royales va s'encadrer, va se réglementer à partir justement des années 60 et ça va affecter en particulier, voyez cette lettre patente de 1781, la fonderie de Ruel, qui est donc la fonderie de Montalembert, mais aussi donc celle d'Indret. Donc pour fournir là, c'est un cas particulier, pour fournir l'artillerie de marine, eh bien, elles vont acquérir là un statut de manufacture royale qui va être beaucoup plus encadré, et notamment dans le contrôle de plusieurs choses, dans le contrôle des finances, et aussi dans le contrôle du statut des ouvriers. Un statut d'ouvrier, vous voyez cet article 5, ouvrier des manufactures, eh bien, c'est être travailler dans une manufacture royale, eh bien, ça n'est pas présenté comme un statut de salarié d'une entreprise privée, mais en gros, c'est un statut d'ouvrier d'État. Et donc, c'est les manufactures royales hein, qui ont créé, en quelque sorte, ce statut d'ouvrier d'État qui va ensuite se développer au XIXe siècle. Et vous le voyez dans cet article 5, les ouvriers des manufactures, ils bénéficient de bénéfices, ils ont un statut socialement d'ailleurs très favorable. Vous voyez que, eh bien, ils sont dispensés d'un certain nombre de du logement des gens de guerre, ils sont dispensés aussi d'un certain nombre d'impôts, etc. Donc, et puis, d'ailleurs, plus tard, en 1782, et puis ensuite jusqu'en 1700, enfin bon. Et ensuite ça va s'accélérer sous la Révolution française, ils vont même bénéficier de droits sociaux, en particulier de droits à la retraite. Et donc, le droit de bénéficier d'une pension de retraite. Bref, ce qui se passe dans les années 1760-1780, c'est l'étatisation des manufactures royales. Alors, cela dit, elles conservent une dimension elle conserve des fonds privés, mais l'encadrement et l'investissement de l'État dans la réglementation et surtout dans la gestion de ces manufactures va devenir de plus en plus fort. Et ça va permettre de changer les modalités de production. Alors là, vous avez une image qui est le fusil modèle 1777.
qui a été élaboré dans la manufacture d'armes de Charleville et dont une grande partie a été produite aussi par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, très, très célèbre, elle s'est organisée dans les années 1760, donc dans le contexte de cette étatisation des manufactures royales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, l'État aide, contribue à la constitution de sites, à la construction, à l'organisation du travail, selon des procédés qui deviennent de plus en plus normalisés, réglementés, standardisés. Le fusil modèle 1777, qu'est-ce qu'il a de nouveau? Alors, bon, il a ses capacités, c'est un fusil jugé comme le plus performant à l'époque. Et ce qui le rend performant, c'est qu'il est produit selon des normes qui font que toute pièce détachée d'un fusil est utilisable sur un autre. Elles sont parce que les modalités de production ont été standardisées et gérées selon des principes d'ailleurs deviendront ce qu'on appellera au XIXe siècle la division du travail, donc la gestion de la production, et ça permet donc une meilleure standardisation et une meilleure efficacité, parce qu'il y a des ingénieurs royaux qui participent, donc qui contribuent à l'élaboration de ces armes. Alors là, le modèle que vous avez, c'est celui qui a été... Aujourd'hui, hein, les fusils modèle 1777 qui existent encore aujourd'hui, en fait, c'est les modèles qui ont été modifiés pendant les guerres de la Révolution et l'Empire, donc qui a été modifié en l'an 9, en 1801, parce que c'est là qu'ils ont été produits, c'est le moment où ces fusils ont été produits de façon la plus massive. Alors, il y a un domaine dans lequel l'étatisation du système manufacturier va vraiment avoir un impact considérable, c'est le domaine de l'artillerie. Alors, le domaine de l'artillerie, opérationnellement, il était déficient tout au long du XVIIIe siècle. Alors, cette citation d'Éléazar Movillon que j'avais déjà faite quand on a étudié la pensée militaire, bon, en gros, il exprime un lieu commun, où on dit que, en gros, l'artillerie sur un champ de bataille, ça ne sert à rien. Qu'il dit qu'il faut être prédestiné pour mourir d'un coup de canon. Bon. Alors, lors de la guerre de 7 ans, là, eh bien, les pratiques, les usages de l'artillerie évoluent, et en particulier, celui qui en fait le constat, c'est Gribeauval. Alors, Gribeauval, il est célèbre, puisqu'il va créer un nouveau système d'artillerie. Alors, Gribeauval, pendant la guerre de 7 ans, en fait, Gribeauval, il est détaché, donc c'est un officier français, qui est détaché auprès de l'armée autrichienne. Et donc, Gribeauval participe d'ailleurs à un certain nombre de batailles menées par l'armée, de combats menées par l'armée autrichienne, des sièges contre la Prusse. Et Gribeauval fait le constat suivant. L'artillerie d'ici fait en bataille beaucoup d'effets par le grand nombre. Elle a des avantages sur celle de la France et cette dernière en a sur celle-ci. Bon, en gros, alors, Gribeauval explique que, dans cette citation, que pour changer le système de l'artillerie, il ne suffit pas de présenter un système compétent et efficace, il faut aussi savoir gérer politiquement. Parce qu'il dit pour faire une réforme, il faut tenir compte de l'ignorance, de l'amour-propre, de la jalousie, et donc du diable. Bon, alors, ce que constate Gribeauval, c'est que dans les actions menées par la Prusse et par l'Autriche, eh bien, ils utilisent de plus en plus une artillerie légère. Alors que l'artillerie française, alors ça c'est un canon du début du 18e, hein. Bon, elle n'est plus comme ça, mais bon, ça représente assez bien ce que c'est que un canon. C'est peu mobile et c'est très lourd. L'artillerie française se caractérise par le fait que le calibre est très élevé et alors le canon est très lourd. Alors
Comment est-ce qu'on utilise l'artillerie sur un champ de bataille? On dispose l'artillerie en batterie. Les batteries d'artillerie font feu au début de la bataille, et puis ensuite, quasiment tout au long de la bataille, elles ne servent quasiment plus à rien. Donc l'artillerie est très peu mobile, et l'artillerie française, alors elle est performante parce qu'elle tire des boulets de gros calibre, et puis surtout, le corps des canons est très, très épais, et donc elles ont, l'artillerie française, à une tire des boulets qui sont de gros calibre et une très longue portée. Alors que, à l'inverse, les artilleries prussiennes et autrichiennes sont plus légères et donc ont moins de portée et un calibre inférieur. Et Gribeauval dit que ces artilleries plus légères et avec moins de portée sont plus efficaces parce que justement la mobilité permet de compenser la faiblesse de la portée puisque on peut déplacer le canon plus facilement et donc ça permet de compenser la faiblesse de la portée. Alors Gribeauval, lorsqu'il rentre en France, donc après la guerre de 7 ans, propose un nouveau système qui vraiment systématise ce principe, c'est-à-dire qu'il propose d'assumer totalement et la mobilité, et la faible portée. Et donc, là, il propose de systématiser ce qu'il a vu, ce qu'il a observé dans les armées prussiennes et autrichiennes, et donc, il va créer le système Gribeauval. Alors, le système Gribeauval va être une première fois validé dans les années 60, autour de 65, puis ensuite supprimé, et ensuite revalidé, et là, cette fois, adopté définitivement en 1775, grâce à l'influence du comte de Saint-Germain. Alors, sur quoi repose le système de Gribeauval? Eh bien, c'est déjà... Alors, d'abord, vous avez un fût qui est plus court, qui est surtout moins épais, et donc qui fait qu'on est obligé de tirer des boulets plus de moins de calibre, avec une charge de poudre moins importante. Et donc, bon, non seulement le fût est plus léger, plus court, mais aussi le train, là, il est organisé pour permettre de déplacer le fût. Vous avez qu'il y a deux crans. Là, le canon que vous voyez, il est en position de tir. Mais quand il se met en position de déplacement, on déplace le fût et on le met en arrière de façon à ce que le centre de gravité repose pleinement sur les essieux. Et non pas pour éviter que ça les déstabilise. Et donc, ce que c'est que le système Gribeauval, c'est pas seulement le canon, là vous voyez le canon donc, en position de transport, c'est aussi la création d'un train d'artillerie. Là, ce que vous voyez, c'est que ça permet, un des éléments, c'est des petits détails, hein, mais qui sont systématisés et pris en compte par Gribeauval, vous voyez que sur le train, il y a un caisson qui permet donc de mettre des boulets à l'intérieur, alors qu'auparavant, quand on plaçait un canon en batterie, eh bien, il fallait qu'il soit approvisionné par un chariot qui apportait les boulets. Là, chaque canon a sa propre autonomie. Alors, ça dit, on ne peut pas mettre énormément de boulets, mais ça permet d'attendre justement que l'approvisionnement en munitions. Donc, vous voyez, c'est juste c'est le petit caisson qui est placé juste devant la culasse. Mais par ailleurs, ce train d'artillerie permet de ne pas être obligé de... Les chevaux qui tirent le train peuvent être maintenus et on peut... On n'est pas obligé de les enlever. Et donc, on peut tout simplement, là, détacher le canon du train sans avoir à aller ranger les chevaux, les mettre à l'abri, etc. Enfin bon, totalement démonter le système. Ça veut donc dire que là, ces canons-là, ils sont utilisables quasiment tout de suite, quasiment sur le champ. Et donc, le système Gribeauval repose fondamentalement sur la mobilité.
Et donc, comme ces canons sont plus mobiles, eh bien, ça compense, comme je le disais, la réduction de leur portée. Et donc, du coup, ça permet d'intégrer l'artillerie dans les manœuvres de la bataille. Et donc, c'est le fameux système Gribeauval, et c'est ce qui va permettre hein, les grands succès des guerres de la Révolution et des guerres impériales, où là, vraiment, il y a même création d'une artillerie à cheval. Et il y a différentes modalités de répartition de l'artillerie. Vous avez l'artillerie régimentaire, vous avez des pièces d'artillerie qui sont intégrées, y compris dans les régiments d'infanterie, parce que eh bien, c'est plus facile à gérer, c'est plus facile à déplacer, etc. etc. Bref, l'artillerie va devenir, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, là, un facteur déterminant des batailles. Hein. Alors qu'auparavant, ça avait peu d'impact, sauf exception. Il y a eu quand même des batailles où l'artillerie a pu jouer un rôle important dans le passé. Prenez la bataille de Marignan en 1515, par exemple, mais c'était des circonstances exceptionnelles. Là, l'artillerie va s'intégrer pleinement dans le dispositif tactique et surtout s'intégrer pleinement dans les manœuvres. Eh bien, tout ça s'appuie sur... tout ça n'est possible que parce que le pouvoir royal exerce sur les manufactures d'armes un contrôle renforcé, un contrôle beaucoup plus important. Et donc, finalement, ces réformes militaires sur donc, le fusil modèle 1777, le système de Gribeauval, etc., eh bien, s'appuient sur la réforme du domaine manufacturier. Alors, l'autre enjeu, et donc vous voyez, ça ne concerne pas que la dimension militaire. Là, c'est vraiment des structures économiques du royaume. Parce que l'activité, la production manufacturière pour produire des armes, pour produire des munitions, pour produire des uniformes, etc., c'est un élément structurant dans l'économie française. Et là, on parle avec le système Gribeauval, de l'artillerie de l'armée de terre, mais vous voyez aussi, on l'a vu avec l'affaire Montalembert, pour le domaine naval. Or, le domaine naval, il a un impact économique considérable. Vous avez des régions entières qui sont structurées par l'activité économique d'armement des vaisseaux. Alors, quand on dit armement d'un vaisseau, c'est pas seulement les armes, hein, c'est l'équipement global, et aussi la construction navale. Donc, c'est quand même un secteur économique très important. Alors, l'autre enjeu considérable de des réformes de l'armée, c'est bien sûr, alors là, peut-être politiquement le plus important, c'est la fiscalité. La fiscalité, alors, le problème, il se pose de façon assez simple parce que les finances de la monarchie sont équilibrées en temps de paix. Les ressources et les dépenses sont largement équilibrées en temps de paix. En gros, la monarchie n'a pas de problème financier, n'aurait pas de problème financier si elle ne faisait pas la guerre. En revanche, la guerre, ça déstabilise totalement les finances de l'État. En gros, il faut savoir que en temps de guerre, l'entretien, l'équipement de l'armée, etc., ça représente à peu près 80% du budget de l'État. Et donc là, ça fait exploser les finances publiques. Et donc, là, il y a un principe très simple, c'est qu'une guerre, ça se finance de deux façons. Soit par une augmentation de l'impôt, soit par le crédit. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Parce que lorsque la monarchie s'endette... Alors, l'un n'empêche pas l'autre, c'est toujours les deux à la fois. Et donc, la monarchie sort toujours considérablement endettée d'une guerre. Et donc, lorsque la monarchie sort endettée d'une guerre, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Et ça, c'est une nouveauté du XIXe siècle. Eh bien, elle crée des impôts nouveaux. Par exemple, en 1749, après la guerre de succession d'Autriche, eh bien, Louis XV crée un impôt nouveau qui s'appelle l'impôt du XXe. Alors,
C'est un impôt vraiment nouveau aussi sur ses fondements. C'est un impôt, pour résumer, je dirais, c'est un impôt sur le revenu. Et tout le monde est censé être assujetti à cet impôt, y compris la noblesse. Mais dans l'application concrète de cet impôt, finalement, il y a des négociations qui sont menées, et donc les classes privilégiées, le clergé, la noblesse, etc., finissent par trouver des modalités de conciliation et finissent par échapper, sinon totalement, mais en tout cas partiellement à cette pression fiscale. Bref, toutes ces réformes fiscales, elles suscitent des oppositions. Alors là, vous en avez un exemple. Alors, c'est que donc Louis XV, quand il avait créé l'impôt du 20e en 1749, il avait adopté une mesure qui était apparue comme une sorte de transgression. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, quand le roi créait un nouvel impôt, on jugeait que cette création soit légitime parce qu'on était en temps de guerre. Prenons un exemple. Lorsque Louis XIV avait créé l'impôt du dixième en 1710, on était en temps de guerre. Et donc là, Louis XIV, il avait justifié la création de cet impôt par la situation d'urgence, par les nécessités de la guerre. Et ensuite, il avait supprimé l'impôt. Bon, ça avait mis... c'est pas lui d'ailleurs, c'est son successeur. Mais en gros, on considérait qu'un impôt créé en temps de guerre pour faire face à l'urgence financière devait être supprimé en temps de paix. Or là, vous le voyez, Louis XV, il fait quelque chose de nouveau. En 1749, il crée un impôt au début de la paix pour rembourser les dettes contractées pendant la guerre. Et alors là, ça choque beaucoup les contemporains et ça suscite des remontrances de la part des parlements. Vous voyez la remontrance du Parlement de Toulouse, puisque au début de la guerre de 7 ans, Louis XV crée le deuxième vingtième, c'est-à-dire qu'il renouvelle l'impôt du vingtième. Et donc, finalement, là, ceux qui s'opposent disent, finalement, il est en train de créer un impôt permanent. Il a créé un impôt au début de la paix, et maintenant, on est au début de la guerre, et il continue l'impôt. Donc, finalement, il n'y a plus de différence entre la paix et la guerre, ça devient un impôt permanent, alors que l'impôt, il est censé être exceptionnel. Donc, vous voyez donc cette remontrance du Parlement de Toulouse, et il y aura même, à la fin de la guerre de 7 ans, un troisième vingtième, mais lui qui sera supprimé, mais les deux vingtièmes, ils vont être maintenus. Ils vont être maintenus, et puis le problème va se soulever à nouveau au moment donc de la guerre d'indépendance américaine, à laquelle la France participe. Alors, la France participe à la guerre d'indépendance américaine en envoyant des effectifs limités. Donc, les armées commandées par Lafayette, par Rochambeau, c'est des armées qui font 8-9 000 hommes. Donc, c'est pas considérable. En revanche, là où la France dépense des sommes incroyables, c'est la guerre navale. Parce que la guerre navale menée contre la Grande-Bretagne, elle ne se joue pas seulement sur le front américain, elle se joue bien sûr dans les Antilles, mais elle se joue aussi au large de l'Inde. Et donc, c'est une guerre globale qui englobe tout l'espace maritime de la planète. Et c'est une guerre, d'ailleurs, au cours de laquelle la France a pu rattraper le retard qu'elle avait pris sur la marine anglaise qui avait provoqué ses échecs pendant la guerre de 7 ans. Et là, pendant la guerre d'indépendance américaine, quand même, la marine française arrive à trouver plusieurs avantages sur la marine anglaise. Alors, ça se termine mal par une bataille qui est perdue dans les Antilles, par la marine française, c'est la bataille des Saintes en 1782, mais c'est une bataille qui a
un effet strictement tactique. Sur le plan stratégique, on peut dire quand même que sur le plan maritime, la France a gagné la guerre d'indépendance américaine. Bon, d'ailleurs, là, quand même, on sait que ce sont les Américains qui ont gagné leur indépendance, et la France qui était leur allié, elle a aussi gagné, mais elle a aussi gagné, par exemple, sur, en Inde, enfin, sur, au large hein, de l'Inde, notamment avec les succès remportés par Suffren. Bref, mais le problème, c'est que tout ça, ça coûte extrêmement cher. La guerre navale, c'est la guerre la plus chère, la plus coûteuse. Et donc, la guerre d'indépendance américaine place la monarchie française dans une, bah, une nouvelle fois, dans une situation financière grave. Or, ce genre de guerre pose problème, parce que quand la France est menacée par la guerre et que le roi dépense beaucoup d'argent pour défendre la France, bon, il y a une certaine légitimité quand même qui est perçue comme telle. Mais quand il s'agit d'aller faire une guerre lointaine sur, donc, pour soutenir les insurgents américains pour une raison qui est juste d'embêter la monarchie britannique, bon, pour rattraper aussi, compenser l'humiliation vécue pendant la guerre de 7 ans, mais enfin, quand même, les Français ne perçoivent pas la nécessité, l'importance de la guerre d'indépendance américaine. C'est pas une guerre qui les menace, mais c'est une guerre qui leur coûte financièrement. Et donc, Louis XVI a un problème pour gérer politiquement les conséquences financières de la guerre d'indépendance américaine. Et ce problème se pose en 1787, au moment où est proposée une ordonnance royale qui crée un nouvel impôt. Alors, vous voyez un extrait de l'édit, c'est pas une ordonnance, c'est un édit, l'extrait de cet édit qui crée ce nouvel impôt pour remplacer les impôts du XXe. Alors, voyez ce que le constat qui est fait, les besoins de l'État exigeant une augmentation des revenus publics, nous avons dû rechercher parmi les impositions existantes celles dont une répartition plus égale et plus juste pouvait assurer un produit suffisant. Bon, donc nous avons regardé, je vous le dis en substance, hein, les impôts du XXe, mais nous avons considéré que par des restrictions successivement introduites dans la distribution de cette imposition, elle ne s'étendait pas dans la réalité sur tous les revenus qu'elle annonçait devoir comprendre. En gros, ce que le roi dit, c'est que bien, finalement, il y a des privilégiés qui ont réussi à échapper à l'impôt du XXe, alors qu'ils étaient censés initialement hein, tous le payer. Et donc, pour supprimer ce régime de privilèges, eh bien, Louis XVI propose un impôt sans privilège, c'est la subvention territoriale. Alors, la subvention territoriale, c'est un impôt qui repose sur la propriété foncière, et tout propriétaire est astreint au paiement de cet impôt, qu'il soit noble ou pas. Et donc c'est un impôt sans privilège, y compris aussi, d'ailleurs, le clergé. Il ne faut pas oublier que l'Église, hein, l'Église catholique, elle possède à peu près, à cette époque, 20% des terres agricoles françaises. Hein. Donc, là, abolition du régime de privilège. Or, le régime de privilège, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est un des fondements de la société française. La société, lorsque la Déclaration des droits de l'homme en 1789 dira « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », s'il faut le dire dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est parce que ce n'était pas le cas avant. Les hommes étaient inégaux en droit. Et le régime du privilège, alors, privilège, hein, ça vient, donc pour comprendre ce que c'est privilège, il faut faire référence à l'étymologie, lex privata, c'est-à-dire la loi privée, c'est-à-dire la loi qui concerne des catégories particulières d'individus, des groupes. Exemple du privilège, un artisan, il appartient à une communauté de métiers et il bénéficie, par exemple pour être boulanger dans une ville, il faut appartenir à la communauté
Et n'importe qui ne peut pas devenir boulanger. Alors, c'était ce que Turgot, je vais en reparler, avait essayé de supprimer en 1776, mais bon, ça avait fini par échouer. Donc, les communautés de métiers, les artisans, ils sont soumis à un régime de privilèges, par exemple. Donc, il n'y a pas que les nobles, hein, qui sont privilégiés. Maintenant, bien entendu, les privilèges des nobles sont considérés comme les plus importants, parce que le privilège fiscal. Or là, donc, vous voyez, Louis XVI propose une abolition du régime de privilèges. Alors, ça provoque le refus. Alors, le Parlement de Paris, qui avait reçu cette idée, a refusé de l'enregistrer. Le roi, le 6 août 1787, a imposé cet édit au Parlement, qui l'a enregistré, mais qui a répondu au roi en disant, en substance, Sire, vous nous avez forcé à enregistrer cet édit en faisant un lit de justice. Alors, un lit de justice, c'est une cérémonie au cours de laquelle le roi peut imposer un édit au Parlement. Et le Parlement dit, bon, vous nous avez imposé cet édit, mais il reste transgressif par rapport, alors, au droit fondamental du royaume. Et le droit fondamental, ce qu'on appelle le droit fondamental, c'est des principes selon lesquels la monarchie est censée être organisée. Et le Parlement de Paris dit au roi, pour imposer un édit qui transgresse à ce point, qui abolit l'idée même de privilège, eh bien, il faut avoir le consentement du peuple. Et donc, le Parlement de Paris, en 1788, demande au roi de convoquer les États généraux. Et on connaît la suite, Louis XVI va convoquer les États généraux, et c'est ça qui va lancer la dynamique de la Révolution française. Donc vous le voyez, hein, la question fiscale, qui est posée fondamentalement par les problèmes militaires, eh bien c'est un problème politique vraiment très important. Alors, donc, vous voyez, hein, là, c'est cette gravure qui représente, hein, les États généraux en 1789. Et donc, c'est vraiment la question fiscale, c'est vraiment le fondement. C'est l'élément politique le plus déterminant. Alors, tout ça, finalement, est mis dans une perspective que certains contemporains appellent la constitution militaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la constitution militaire? La constitution militaire, c'est une notion qui se développe dans les années 1770. C'est une notion qui, en gros, qui explique que l'organisation de l'armée doit être déterminée par une constitution et non pas seulement par la volonté du roi. Ce n'est pas l'arbitraire royal qui doit organiser l'armée, ce sont des principes légaux, des principes réglementés et aussi des principes permanents qui permettent aussi d'appliquer et de traduire légalement l'efficacité, le principe de l'efficacité militaire. Donc, la constitution militaire, c'est à la fois une organisation institutionnelle de la sphère militaire, mais c'est aussi une prise en compte des notions développées par Guibert, de la tactique, etc. Donc, la constitution militaire, c'est une institutionnalisation de l'efficacité militaire dans son organisation sociale, réglementaire, mais aussi tactique, opératique, etc. Alors, cette constitution militaire, elle est déjà. Alors, j'évoquais tout à l'heure le duc de Choiseul, qui est un petit peu un précurseur de ce principe. Dans les années 1760, le duc de Choiseul lance une série de réformes, alors, mais beaucoup ne vont pas durer, notamment les réformes qui concernent le recrutement des soldats. Le moment vraiment d'apogée des réformes politiques,
c'est le moment 1774-1776 où les réformes du comte de Saint-Germain s'articulent avec les réformes de Turgot. Turgot, par exemple, qui abolit le régime du privilège des métiers, en gros, où il veut instaurer un régime de libéralisation de l'activité économique, c'est-à-dire permettre à un entrepreneur d'exercer le métier de son choix sans qu'il fasse obligatoirement partie d'une communauté de métiers, qu'il fasse partie de la corporation. Bon, il y a beaucoup de lois comme celle-ci, et donc, bon, j'ai évoqué cet environnement politique parce que en 1774, Louis XVI débute son règne, Louis XV vient de mourir, et Louis XVI choisit de débuter son règne par une séquence de réformes intenses. Mais ce sont des réformes qui choquent beaucoup les contemporains, qui vont obliger Louis XVI, par exemple, à révoquer tout le monde, et en particulier Turgot, parce que c'est lui vraiment l'incarnation de l'esprit réformateur. Alors, finalement, le seul qui va réussir à adopter des réformes qui vont se maintenir, c'est Saint-Germain, les réformes militaires provoquées par Saint-Germain. Alors, Saint-Germain, il adopte, en 1775, par exemple, il valide le système Gribeauval, il impose la suppression, on l'a vu, de la vénalité des offices militaires. Il crée aussi des réformes sur la discipline. En 1776, il impose le châtiment des coups de plat de sabre parce que Saint-Germain est fortement influencé par le modèle prussien. Et donc, il veut imposer à l'armée française une discipline à la prussienne. Et il adopte par ailleurs, en 1776, un règlement sur l'infanterie qui applique le modèle, donc le modèle prussien. Alors, tout ça va à peu près survivre à Saint-Germain, mais en fait, l'application concrète de ces réformes va rester assez déficiente, et puis surtout, ce sont des réformes qui n'impactent pas la totalité de la sphère militaire. Il y a une autre réforme, alors là, qui va lui provoquer beaucoup d'opposition, c'est qu'il supprime un certain nombre de troupes qui sont les troupes de la maison du roi. Et en particulier, Saint-Germain va supprimer les compagnies de mousquetaires. Et alors, parce qu'il dit, ce sont des compagnies qui coûtent cher, qui sont réservées à la noblesse et qui ne servent plus à rien. Et donc, il dit, il vaut mieux les supprimer. Alors ça va être vécu comme une insulte faite à la noblesse. Parce que les compagnies de mousquetaires, c'était vraiment des compagnies très aristocratiques. Pour être admis dans les mousquetaires, il fallait vraiment appartenir à la haute noblesse. Donc, les réformes de Saint-Germain vont être menées, mais elles ne changent pas tout le système militaire. Et il y a notamment un domaine sur lequel elles ne vont pas réussir à être efficaces, c'est le statut du soldat. Le statut du soldat, n'est pas fondamentalement amélioré, et même, certains disent même que les réformes de Saint-Germain vont encore plus dégrader le statut du soldat à cause notamment des réformes disciplinaires. En gros, il est accusé donc de soumettre le soldat français au modèle prussien, et donc de faire en sorte que le soldat français soit un automate, un esclave, comme les Prussiens. Bon. Alors, parce que vous avez ce lieu commun, où on dit dans les années 70 que le Prussien, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est soumis, bien sûr, au pouvoir despotique, du despote éclairé, mais qui est plus despotique qu'éclairé. Enfin, bon, il est peut-être les deux, mais Frédéric II, le roi de Prusse, en gros, beaucoup de gens disent, les réformes adoptées par le comte de Saint-Germain, sont inspirées par le despotisme prussien. Alors, vous voyez qu'il y a cette dimension militaire, et justement, la limite de ces réformes, c'est qu'elles sont présentées comme soumises à l'arbitraire royal. C'est que le roi, quand il a envie de faire des réformes, il fait venir Saint-Germain, il fait venir Turgot, il leur fait faire des réformes révolutionnaires, et puis ça ne marche pas, il les vire,
Après, il change de ministère, il fait venir un autre ministre qui va adopter une autre politique, etc., etc. Bref, on accuse ces réformes d'être soumises à l'arbitraire royal. C'est ce que dit le baron de Bohan-Bohan dans son Examen critique du militaire français, publié en 1781. Voilà ce qu'il dit. En gros, il résume tout ce que je viens de vous dire. Depuis que l'on s'occupe de perfectionner l'état militaire, et surtout depuis la paix de 1763, on regardera sans doute cette constitution, c'est-à-dire la constitution militaire, comme bien importante. Car chaque ministre a détruit l'ouvrage de son prédécesseur et a toujours eu pour prétexte des défauts à supprimer et le mieux établir. Nous avons vu réforme, augmentation, dédoublement, incorporation, tiercement, nouvelles réformes, nouveaux dédoublements, nouvelles augmentations, mais après tant de changements, je le demande encore, où sont les principes d'une constitution permanente? Voilà. Donc, dans le mot constitution militaire, il y a l'idée de constitution, c'est-à-dire fixer des normes par la loi. Et donc, soumettre l'exercice de la force publique, soumettre l'organisation de l'armée à des principes qui ne dépendent pas de l'arbitraire royal, mais de la loi. Et donc, le chevalier de Keralio, qui a... par exemple, qui avait été un des promoteurs de l'encyclopédie méthodique consacrée à l'art militaire, il publie cet ouvrage sur la constitution militaire, et où là, il assume pleinement la dimension de constitution. Il dit, vous le voyez, le consentement du peuple fait la loi. Et donc, le chevalier de Keralio explique que pour que le concept de constitution militaire soit pertinent, il faut que ça vienne de la volonté du consentement du peuple et non pas de l'arbitraire royal. Donc il assume pleinement la dimension, les conséquences politiques de cette constitution. Et Guibert, le 28 octobre 1787, lors de la première séance du Conseil de guerre. Alors là, il formule quand même cette idée qui est incroyable. Les abus et l'engorgement qui règnent dans la hiérarchie, donc là il parle de la hiérarchie militaire, viennent de tout ce qui n'est pas de la constitution primitive et intrinsèque de nos régiments. Bon, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que les principes fondamentaux de la guerre, de la hiérarchie militaire, etc., sont contredit par tout un ensemble d'abus, on l'a vu, sur le statut du soldat, sur le statut des officiers, etc. Et il dit, le mal est maintenant au comble et il n'y a plus qu'une révolution rigoureuse, vigoureuse et bien entendue qui puisse en délivrer l'armée et la Constitution. Eh bien, voilà, quand je parle d'origine militaire de la Révolution française, vous voyez que j'invente pas quelque chose, c'est Guibert qui l'a dit. En gros, en 1787, il dit, si on veut réformer l'armée et faire en sorte que l'armée soit, que l'organisation de l'armée soit conforme à des principes d'efficacité militaire qu'il avait exposé dans son essai général de tactique, et aussi faire en sorte que cette constitution soit fermement établie de façon légale et avec le consentement du peuple, eh bien, il dit, pour en arriver là, il va falloir une révolution. Eh bien, vous voyez que, lui, il pouvait peut-être imaginer, alors bon, on ne pouvait pas imaginer ce que la révolution va être concrètement, mais enfin, il envisage le scénario. Alors, vous le voyez aussi, dans cette pétition signée par les officiers du régiment de Languedoc, qui envoie cette pétition donc à l'Assemblée nationale qui est devenue constituante au début de la Révolution française, pendant l'été, et donc en septembre 1789, et voyez ce qu'ils disent, ils confirment ce qu'a dit Bohan, ce qu'a dit Guibert. Vous verrez, messieurs, donc là il s'adresse aux députés, par l'aperçu que nous donnons des changements arrivés successivement depuis la paix de 1763, donc ils remarquent, tout le monde remarque, que c'est la guerre de 7 ans qui a provoqué toute cette dynamique. Combien il est important de prévenir les abus qui ne manqueraient pas de renaître si les germes n'en étaient pas détruits par les lois les plus actives et les plus prévoyantes. Ça, c'est très important, c'est très intéressant, cette pétition. Ça veut dire que l'idée d'une constitution militaire qui soumette le fait militaire
à la législation, etc., ce n'est pas seulement une idée qui existe chez quelques théoriciens comme Guibert. Vous voyez que ce sont les officiers du régiment de Languedoc là, qui la demandent. Et effectivement, l'armée a été un espace de contestation politique. Et un espace de contestation politique qui avait, je le dirais, beaucoup plus d'efficacité et d'efficience, c'est-à-dire d'impact sur la société, parce que quand l'armée perd la guerre, eh bien, ça crée un effet immédiatement perceptible. Et l'incapacité ou les insuffisances des réformes de l'État, eh bien, elles sont sanctionnées par la défaite. Et donc, ça a un impact qui est un impact spectaculaire et sanglant, etc. Bon, bref, quand l'État s'organise mal et fait en sorte que l'armée perde des guerres, eh bien, ça fait des morts, ça fait des pertes. La France a perdu le Canada, etc., etc. Donc, ça a un impact politique beaucoup plus important que beaucoup d'autres dimensions. Donc, la réforme de l'armée, eh bien, elle est très impactante sur la société, par ailleurs, parce que, je le disais, le statut de soldat, la place des soldats dans la société, etc., eh bien, tout ça, c'est un fait social aussi. Et puis, un fait social qui impacte beaucoup, une grande part de la population, notamment par le biais du recrutement de la milice royale. Donc, c'est quand même, c'est pas... l'organisation de l'armée, ça ne concerne pas que la sphère militaire, strictement. Vous voyez quand dans les cahiers de doléances, les députés les membres du tiers-État demandent la suppression de la milice, par exemple. Donc, il y a donc des origines militaires de la Révolution française. Des origines militaires de la Révolution française qui ont été évoquées par le comte de Ségur, qui est le petit-fils de Ségur, qui avait été le secrétaire d'État de la guerre en 1781. Alors, dans ses mémoires, il évoque, par exemple, toutes les controverses intellectuelles, notamment la querelle entre Guibert et Ménil-Durand sur l'ordre mince, l'ordre profond. Il dit « Tous ces différents systèmes, accueillis par leur nouveauté, devinrent l'objet d'une grande curiosité et même de querelles assez vives. Il n'était rien qui ne fût remis en question. » Donc, et c'était par cette agitation en tout genre qu'on préludait aux terribles mouvements qui ébranlèrent et ébranlèrent encore le monde entier. Donc, ébranle encore. Et donc, ce que veut dire Ségur, c'est que les querelles sur la théorie militaire, elles ont eu aussi un impact politique. Alors, Joseph Servan, dans Le Soldat citoyen, alors lui, il résume parfaitement la dimension politique de la société militaire. Et là, il le formule de façon très très bien, très très bien exprimée, de façon très efficace. Nous voyons la société se partager en différentes classes de citoyens. Dans chacune de ces classes, les hommes sont inégaux entre eux. Les uns sont riches, les autres sont faibles. Quelques-uns commandent, beaucoup obéissent. Mais dans aucune classe, les hommes ne sont plus liés les uns aux autres, ne sont plus soumis, plus dépendants, plus enchaînés à la loi que dans celle des défenseurs de l'État. Ce que veut dire Joseph Servan dans Le Soldat citoyen, c'est que l'armée, c'est un espace social où, c'est un espace où les normes sociales, où le principe du privilège, le principe de l'inégalité de richesse, le principe de la noblesse, etc., n'ont aucun sens. Parce que qu'est-ce qui fait la vertu militaire ? Eh bien, ce sont des valeurs qui n'ont pas forcément cours dans la société. C'est le mérite, c'est la vertu, c'est le courage, etc. Enfin bon, voilà, toutes les vertus militaires. Et Servan explique que, eh bien, les principes qui gouvernent le monde militaire sont incompatibles avec les principes de la société. Dans la société, il y a des inégalités, alors que le monde militaire devrait être structuré par des principes égalitaires en droit. Dans l'armée, les hommes devraient être libres et égaux, enfin libres, moins que dans la société civile, mais en tout cas devraient être égaux en droit. Dans l'armée, on traite un capitaine
comme un autre capitaine, quelle que soit son origine sociale. Un capitaine roturier peut commander à un lieutenant noble, parce que qu'est-ce qui fait son autorité? C'est le fait qu'il soit capitaine. Donc, le principe d'organisation de l'armée, effectivement, entre en contradiction avec un certain nombre de principes d'organisation de la société. C'est ce qui fait que donc, le soldat a ce statut très ambivalent, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire coïncider totalement l'idéal nobiliaire avec la culture professionnelle du monde militaire, etc., etc. Bref, c'est ça les origines militaires de la Révolution française. Et donc, nous allons voir comment, finalement, la prochaine fois, comment la Révolution française met en œuvre un certain nombre de réformes qui avaient été envisagées sous la monarchie, mais qui n'avaient pas pu se mettre en œuvre parce que ces réformes, elles étaient contradictoires avec les principes de l'organisation sociale. Et donc, bon, je le reformulerai dans un cours sur la guerre sous la Révolution française, j'aurais tendance à dire, pour résumer tout ça, eh bien, la monarchie en a rêvé et la Révolution l'a fait. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de projets de réforme qui avaient été formulés par Guibert dans le Conseil de la guerre dans les années 1787, 88, 89, qui vont être appliqués par l'Assemblée nationale constituante à partir de, en 89, 90. Alors, pas tous les principes, mais quand même. Donc là, cette dimension, vous le voyez, montre que la guerre de 7 ans, en provoquant la nécessité de réformer l'armée, mais aussi la nécessité de réformer l'État, mais on vient de le voir, la nécessité aussi de réformer la société, puisqu'il faut changer le régime du privilège. Eh bien, la guerre de 7 ans, j'aurais tendance à dire que c'est une des principales causes de la Révolution française.